Eh bien, bonsoir YouTube et bienvenue sur cette nouvelle VOD. Et vraie question, comment allez-vous? Écoutez, je switch instantanément, tout simplement parce que le stream, je l'ai déjà lancé. Nous étions sur FNAF Into the Pit à l'instant pour la deuxième VOD, donc je n'ai pas encore terminé le jeu. Mais ça ne saurait tarder, bien évidemment, qu'on terminera le jeu la semaine prochaine. Et à partir d'octobre, d'ailleurs, il y aura un nouveau planning. Et je l'annonce, ce stream d'Animal Crossing sera l'avant-dernier de cet été. En soi, ah non, c'est officiel, là, on est en automne officiellement aujourd'hui. Mais du coup, voilà, pour Animal Crossing, c'est... Ah, j'ai pas d'annonce de Marie, ça veut dire que j'avais déjà Time Travel à aujourd'hui. Du coup, lui, il est peut-être pas fini. Je pense que si, quand même. Donc oui. Tout simplement, pourquoi ça sera le dernier stream ce mercredi-là? Bah parce que j'estime avoir fait à peu près le tour quand même des choses que je voulais faire. Et c'est surtout que les choses qu'il me manque à faire, bah je n'ai pas trop d'idées. Je ne sais pas trop quoi faire. Putain, je regarde là, à gauche. Je trouve ça cool ce que j'ai pu faire avec le quartier asiatique. Je trouve que ça rend assez bien. Mais voilà, je vais regarder un petit peu les choses que je m'étais notées. Mais là, parmi les choses à faire, bah évidemment, c'est finir l'insecte, le poisson d'Aix et le plongée d'Aix. Et après, on a quoi? Dans ma maison, bah finir ma maison, de faire une salle spéciale poisson, faire la fameuse zone multisport, mais j'ai aucune idée d'où foutre cette foutue zone multisport. Compléter le quartier des loups. Bon, là, pour le coup, je sais pas par quoi je pourrais le compléter. Faire une zone commerciale. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. En vrai, je pourrais le faire peut-être en dessous de la mairie, je me dis. À la limite, aujourd'hui, on peut faire ça. Je me dis. Après, bah évidemment, choper les villageois que j'ai pas, choper les tableaux de Runar. Et voilà. Hein. Voilà, les trucs qui me resteraient à faire. Donc écoutez... Ah ouais, c'est ça. Hein. Ouais, faudra peut-être que j'attende mercredi pour déterrer ça. Ou quoique non. Vu que je vais time travel dans le futur, j'aurais même pas besoin. Alors on est d'accord. Hein, que là c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça fait zapit fumé. Runarama. Ah, Runar. Mon cousin. Je crois que j'ai déjà quelque chose de Runar en plus. Eh oui. J'ai oublié de donner. Eh bien, écoute. C'est quoi ça? Ah, ok. Non, c'est juste une maison. Je sais pas pourquoi j'ai été surpris. Après, il y a un truc où... ouais, c'est vrai que c'est ces trucs-là, là. Cette zone-là, au-dessus, je sais pas quoi en faire. Je me dis que je pourrais juste faire des montagnes et aménager le truc pour le rendre naturel. Hein. En mode, je fous des arbres, de sapins et tout, et ça fait un petit peu le biome forêt. Et en vrai, on peut se dire, on fait juste ça. Hein. Ah non, ah ouais, mais non, sinon j'avais dit, je pourrais faire une zone spéciale oiseau. Un peu dans les airs. Où je foutrais, bah, Julie, Apollo, si j'arrive à la voir. Pécan, vu que Pécan est un écureuil qui vit dans des arbres un petit peu. Bon bah c'est bien. Hop, et hop. Comme ça, ça nous avance. Je t'aidais d'une quelconque autre manière. Je crois que j'ai 10 œuvres d'art hein, de souvenirs. Dans l'avancée des Manzino qu'on a vu que j'étais à 10. Ouais, on peut en profiter. Ah, il y a Kéké. Ah, parce qu'on est samedi. Oh, c'est Pékin. Bon, aucun villageois qui veut partir, peut-être. Alors, peut-être. Ouais, par exemple, cette zone-là, elle sert à rien. Mais faudrait que je délimite. Je pense qu'il peut être bien. On se dit ce soir. Je m'en prends. Là. On est en week-end et tout. Je me fous de l'heure à laquelle je me couche. Aujourd'hui. Merde.
Aujourd'hui, je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas mon putain de coryphène. Ok? C'est bon pour vous? Oh putain, je me suis encore trompé. Je veux voyager. Je veux aller voir Joe. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais time travel en... Je pense que je vais time travel dans le passé, hein. En vrai. Je sais pas. Ou sinon, je time travel en 2025. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et après, au pire, je retournerai dans le passé. Au pire, j'avancerai pour aller genre en décembre 2025. La partie droite. Ah, donc celle-là, je crois qu'elle est fausse parce qu'elle est... Ah ouais, mais par contre, je sais pas si j'ai la Mona Lisa déjà. Bon, de toute façon, on va voir. Je crois que celle-là, elle est censée être verte. Celle de gauche, elle est blanche. Et celle de droite, je crois qu'elle est censée être verte. Alors, la Mona Lisa, comment elle s'appelle? Toile célèbre. Et après, la toile sauvage partie droite. Ouais, la droite, partie droite. Pardon, elle est censée être verte. Alors, la Mona Lisa, comment savoir si elle est fausse? Ah, tu vois, sur les sourcils. Elle fronce les sourcils sur la fosse. Bah, ça a l'air d'être la vraie, celle-là. Comme ça me choque pas. Ouais, c'est la vraie. Et vendu! Et eh ben nickel. Bah écoutez, je vais time traveler maintenant pour aller à... Pour aller en été, pour pouvoir rechoper le coryphène. Alors le coryphène, il est dispo quand? De mai à octobre. Ah donc je peux l'avoir encore! Mais en vrai, j'ai aucun intérêt parce que ce qui peut être bien, c'est que vu que je vais rester sur les plages, évidemment pour choper des appâts. Et eh ben je vais en profiter pour essayer de choper le scarabée qui spawn qu'en juillet et que en août. Donc voilà. Non mais je pense que je vais time travel dans le passé et après quand je remettrai l'heure normale. Enfin, quand je reviendrai dans le futur, eh bien j'essaierai de choper le bousier en janvier. Mais ouais, pour aujourd'hui, j'aimerais bien finir vraiment l'insecte et le poisson d'Aix, quoi. J'aimerais vraiment finir ça. Du coup, on retourne en août. Et en août, je peux avoir le scarabée et le coryphène, c'est bon? C'est en toute heure, hein. À partir de 23h, le scarabée. Eh bien, écoute. Eh bien, écoute, on est plutôt bien à ce niveau-là. Bon, du coup, je vais re-aller voir Runar. Et après, la plongée, je t'avoue que la plongée, je m'en fous, hein. Le plongée d'Aix, si je le fais, ça sera quand je reprendrai le jeu. Vas-y, je vais me noter dans les trucs à faire. Faire quartier des hauteurs. Oiseau. Donc Apollo plus Julie. Et Pécan. Je sais pas encore où, mais faudra le faire sur des montagnes. Enfin, sur une montagne. Au niveau 1, au level 1. Une montagne de level 1. Sur une zone relativement grande, si possible. Plus y faire une deux montagnes de level 2. Un truc que je pourrais me noter, c'est de... Je pense que je vais le faire maintenant, c'est de planter des cèdres un petit peu partout. Je pense que je vais planter des arbres un petit peu partout. Arbre, Animal Crossing, New Horizon. Pousser un arbre. Comment on fait pousser des arbres? Pour débloquer la pousse d'un arbre, il faut le planter
Attends, il faut respecter une distance d'une case minimum, mais il n'est toujours pas possible. Il est toujours possible que l'arbre ne puisse pas continuer sa pousse à être bloqué. Pour débloquer la pousse d'un arbre, il faut le replanter ou mettre une distance de 2 ou 3 cases. Comment faire pousser des arbres? Quand vous creusez, il suffit pour ramasser un sac de mine clochette. Non, c'est pas des arbres à clochette. Combien de temps? Une fois planté, les arbres poussent en 3 jours. Si l'arbre peut porter des fruits, il en produira le lendemain de sa croissance complète. Les arbres ne peuvent pas être plantés à proximité de bâtiments, de murs d'eau, y compris d'autres arbres. Ouais, mais ils disent pas comment ils poussent hein, en vrai. Je pense que c'est une question de chance. Hein. La pousse des arbres. Ah, ça y est, la VOD de FNAF est postée. Mais attends, là je suis retourné dans le passé. Runar, il m'a quand même donné mes trucs? Attends, je pensais pas. Ah ouais, donc en fait, il te l'envoie dès l'instant où tu n'es pas à la même date. Alors du coup, un truc que j'aimerais bien faire. Je vais regarder si le truc là il est. Oh non. Si mon gyroïde il a poussé du coup. Alors. Oh les bambous ici. Ouais, j'ai pas de pousse de cèdre. Hein. Ouais, faudrait que je time travel de 2 jours. Pour le bousier, je pense que je time travelerai 2 jours si j'ai l'occasion. Mais ouais, j'ai pas de pousse de cèdre là, on est d'accord. De terre, camélia, camélia. Pousse d'arbre. Non, j'ai pas de pousse de cèdre. Je suis étonné, j'étais persuadé d'en avoir. Loulou. J'ai pas mal de choses dans mon inventaire, faudrait que je me débarrasse un petit peu. Je crois que j'ai pas la pelle dans mes objets favoris. Ah, il a pas poussé. Bon, je pense que là. Je pense que là, vu qu'après mon prochain time travel, ça sera en hiver. Et je pense que je vais time travel dans le futur, comme ça, lui, il aura bien poussé. Alors, de quoi je peux me débarrasser? Ouais. Les fossiles, à la limite, je peux les expertiser pour aller les vendre. Luminoïde, ça je peux m'en débarrasser, ça me prend de la place. Là, je peux noter aussi dans les choses à faire finir la déco du quartier asiatique. Parce que pareil, le quartier asiatique, ça c'est un truc que j'ai FF. Bon, et en vrai, on s'en branle. Ça, je vais le vendre. L'aluminoïde, on va le foutre là. Ouais, vraiment que je finisse cette maison aussi. Hein. C'est important. Alors, aluminoïde. Putain, ça se trouve, j'aurais juste une salle de gyroïde. À la limite, je peux faire ça. Hein. Genre cette pièce de la maison, c'est le gyroïde Dex. En vrai, ce qui est rigolo, c'est que les gyroïdes, je pensais qu'il fallait aller sur les îles d'Amiral, mais pas du tout. Au final, les îles d'Amiral ne servent à rien. Vu que t'as pas besoin des gyroïdes. Pardon, tu n'as pas besoin d'aller là-bas pour avoir des gyroïdes. Ouais, non, tu t'en fous royalement, en fait. Du coup, on va revoir Runar. Tu vois, quitte à faire le poisson d'Aix et l'insecte d'Aix, autant faire la salle d'art d'Aix. Et pas la salle d'Ardèche, bien sûr. Je veux voyager. Je veux aller sur l'île de Chichijiao. En route. Et voilà. Tiens, j'ai pas regardé s'il y avait des villageois qui m'intéressaient sur Nokazone. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, je vois que là, il y a une. J'imagine une louve rose. Oh, putain,
Putain, je me dis, si un jour il y a un nouvel Animal Crossing, un truc qui me le ferait bien, c'est de me faire une île, encore une fois, en soi à thème. Enfin, à thème. Une île avec des villageois sur un même thème, ou de faire une histoire de quartier comme je fais là. J'ai le quartier des loups, le quartier asiatique, j'aurai le quartier des hauteurs, où je foutrai mes oiseaux et mon écureuil. Mais je me dis que ça pourrait être cool pour un potentiel prochain Animal Crossing, de faire une île de loups. Alors je mets que des loups sur mon île. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui proposent des gens intéressants là? Qui m'intéressent du moins? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Ah bah là, il y a quelqu'un qui vendait une Chino. For free! Alors là. Le malade. Jamais tu donnes Chino gratuitement. C'est la villageoise qui vaut probablement le plus cher du jeu actuellement. Moi, j'ai eu de la chance de l'avoir pour aussi peu cher. Mais Chino, je pense que tu peux l'avoir pour minimum 5 millions de clochettes. Oh non, tu te fous de ma gueule. Pourquoi c'est fermé? Putain. Bah non, j'allais dire peut-être que le 21 août, j'avais pas encore Runar, mais si. Je crois. Je crois que je l'avais déjà Runar à ce moment-là. Bon bah tant pis, bah du coup c'est parti, hein. On va s'occuper de notre Corifen. Il fait combien de degrés là? Il fait 18, il fait chaud putain. Oh, la température. Mais je crois que ça va réduire de fou là avec la semaine pro. Ouais, faudra que je me débarrasse de ça. Ça aussi. Vas-y, je vais aller donner le tableau, je vais aller vendre mes fleurs et mon truc là. Ah mais là du coup on va voir les musiques d'août. Ah. Moi, je pense que les musiques d'août c'est évidemment mes préférées. Oui, je veux vendre. Pa pa paf. Et nous du coup on se débarrasse de ça. Ouais, je vais noter faire zone commerciale en dessous de la mairie. Et après, ce que je peux faire, zone type, je sais pas, type faux, enfin, faire une zone à thème, genre forêt, au-dessus du musée. Si je fais ça, alors faire une montagne de level 2. Voire une cascade. Voire une cascade qui tomberait par exemple à droite du musée. Ouais. Après, ce que je note, c'est probablement des choses que je ferais. Mais je me garde ça pour quand je reprendrai le jeu. Je pense pour le prochain stream. Ouais, peut-être que je m'occuperai de la zone là dont je parle. Peut-être que je ferai un petit peu la zone commerciale. La zone multisport, ma maison, ça j'y toucherai pas, hein, je le ferai une autre fois. Mais ouais, alors faire une donation. On va regarder la salle d'art un petit peu pour voir où j'en suis. Alors, qu'est-ce qu'on a de bouffe? Don, don, boum, boum. Ah, la fameuse Louve. Elle est là, la Mona Lisa. Ah bah oui. Bah logiquement, là, ça sera un autre truc de Léonard de Vinci. Ce truc-là qui ressemble à rien. Ah bah oui, du coup on a... Ah mais je l'ai déjà, celle de droite, je savais pas.
Je croyais que j'avais. En fait, je suis tombé sur celle de droite, la vraie, et j'ai aussi eu la contrefaçon. Ici, logiquement, ça sera full Van Gogh. Ça, c'est Van Gogh aussi? Non, je crois pas. Edouard Truc. Ok. Ici, on a quoi? Ok. Il est où le sacre de Napoléon? Putain, il a Louvre qui nourrit les bébés là, mais c'est horrible ce truc. Bon, allez. Eh bien, écoutez, je vais me munir de ma pelle et c'est parti. C'est parti pour le phare. Donc ouais, c'est ici où je pense que je mettrais un courant d'eau qui finirait ici. Ah, ou même là? Oh, oh putain, oui. Ah oui, ça me permettrait de faire des choses. Ah, mais est-ce que ça veut dire que je devrais recrafter un pont si je fais ça? Attends, je regarde la map. Est-ce que j'ai de l'espace? Ouais, ou à la limite. Je fous la maison de Pécan au-dessus. Et du coup, je laisse les oiseaux vraiment entre eux. Ok, je note ça. Donc pour mercredi, on s'occupera de la maison de Pécan. En vrai, ça me fait chier, j'ai pas envie d'arrêter Animal Crossing, mais c'est juste que j'avais besoin d'idées la dernière fois. Ah, j'ai pas envie de m'arrêter en vrai, ça fait chier. Hein. Mais là, j'atteins quand même. Je commence à atteindre des moments où je saurais plus quoi faire, et de toute façon, j'ai pas assez d'objets pour faire des trucs un peu jolis, quoi. Le problème, c'est que je mets beaucoup trop de maisons à côté de moi, quoi. Après, ce que je peux faire. Je pense que en haut à gauche, là, juste en dessous. Juste en dessous du quartier asiatique, je pense que je pourrais y foutre une maison. Et après, je sais pas, je pourrais faire une zone jardin, j'en sais rien. Bref. Voilà, je réfléchirai à ce que je pourrais y faire. En dessous de la mairie, je fais ma zone commerciale. Oh. Vas-y, en vrai, je vais screen. Je pense que là, je sais comment je vais m'organiser. Alors. Alors bon, là, vous n'allez pas le voir, mais là, sur mon screen, ce que je fais. C'est ici. Attends, je vais mettre un 1. 1. Ici, je mets une maison. Donc juste en dessous du quartier asiatique, je mets une maison. Voilà. Si j'arrive à la voir au centre du logo de Konoha, je fous la maison de Peck. En 3, en dessous de la mairie, je fais la zone commerciale. La zone des oiseaux, leur espèce de montagne, je la fais en dessous, entre la mairie et le musée. Et ma zone multisport, je pense que l'un espace que j'aurais qui serait bien, ça serait en dessous du camping. Donc ça veut dire que là actuellement, j'ai combien de villageois qui n'ont pas d'emplacement pour leur maison? J'ai 5 villageois qui n'ont pas d'emplacement. Donc ça veut dire que Pécan, je la fous là où j'ai dit, c'est-à-dire. En haut, juste au-dessus de la maison de Monica, en fait, qui est à droite de ma maison. Ok. Et là, comme ça, mon île, elle est. Enfin, tous les endroits sont bien utilisés. Oh, ça me paraît bien comme ça. Vas-y. Et du coup, je rescreen mon propre screen. Vas-y, attends. Ma to-do, je vais la re. Animal Crossing à savoir. Hop.
Et du coup, je fais Animal Crossing to do. Hop. Et j'en profite pour foutre le screen. Et alors, du coup. Compléter le quartier des loups. Je le mets en objectif comme ça. Faire la zone commerciale en dessous de la mairie. Donc c'est le numéro 3. Faire une zone multisport, c'est le numéro 5. Faire le quartier des hauteurs avec les oiseaux, c'est le numéro 4. Finir la déco du quartier asiatique, voilà, qui est un truc à part. Faire une zone à thème, genre forêt au-dessus du musée. Ouais. Ouais, ce serait en haut à droite du musée, du coup. Faire une zone à thème en forêt au-dessus à droite. En haut à droite du musée, du coup. Ouais, non, c'est bien, ça me paraît bien de faire ça. Et du coup, je mettrais peut-être des... Ouais, si je fais une zone d'eau, je pourrais peut-être mettre un petit bloc d'eau. Non, ça peut être bien, hein. Non, mais je pense que je vais continuer Genshin parce que là, je commence à avoir des idées, quoi. Là, vraiment, au dernier stream, j'étais dépité. Parce que je crois que j'ai stream que 2 heures parce que je savais pas quoi faire. Mais là, j'ai des idées qui me viennent en tête. Avec la cascade, enfin avec l'eau qui fait 3 de large. Pour... Attends, avec l'eau qui fait 3 de large, pour y foutre au centre, à un moment, un bloc de terre. Pour éviter... d'avoir un pont. Ok. Alors après, dans ma note, qu'est-ce que j'ai fait? Et 2. Alors le 1 du coup. Ah mais qui je peux foutre? Qui ne sait pas où aller là actuellement? Ah merde, j'ai mis 2 fois 5. Bon, c'est my bad. Le 5 entouré. Le 5 entouré. Zone multisport, du coup. Et le 5 normal, maison de Pécan. Ok, en 4 c'est le quartier de hauteur avec les oiseaux. Donc oiseau, Apollo plus Julie. Faudra le faire sur une montagne relativement grande en surface. Si possible, puis y faire une ou deux montagnes de level 2. Avec peut-être cascade. Le 5 entouré, c'est une zone multisport, du coup, qui est en bas à gauche. Le 5 en haut, au-dessus de la maison de Monica. Donc juste au-dessus de mon personnage, finalement. Une maison pour Pécan. Ah ouais, mais du coup, en numéro 1, je sais pas qui je fous, hein. Toi, t'as ta maison. Enfin, toi, on sait où on va te placer. À la limite, je peux même la placer maintenant, comme ça, c'est fait. Monica, on sait déjà où aller. Ah, Jennifer, je sais pas où la foutre. Bah tiens, bah Jennifer, je pense que je vais la foutre à gauche, hein. Juste en dessous du quartier des oiseaux. Du quartier asiatique. Julie, c'est oiseau. Toi, t'es dans le quartier des loups. Quartier asiatique, quartier des loups, quartier asiatique. Et du coup, Alice et Gradube. Bah, l'un des deux sera remplacé par Apollo qui sera dans le quartier des oiseaux. Bah du coup ça veut dire mon objectif vraiment de villageois ça sera vraiment Apollo quoi.
Et du coup, bah, l'autre, ça serait Peck. Et Peck, je le foutrais en plein milieu de l'île. Donc en 1, maison de Jennifer. Et en 2, maison de Peck. Avec déco externe. Avec des poubelles, des barrières métalliques. Comme Antoine Daniel à BFF. Parce que c'est rigolo. Et surtout, Peck est un villageois qui ne coûtera pas très cher. Et ben voilà, bah écoutez, ça y est, j'ai plein de projets. Bah écoutez, on se fera ça probablement pour la prochaine fois. Hein. Parce que là, si je fais la maison de... J'ai un petit peu quand même repéré les lieux pour voir la place que j'ai. Parce que là, ça veut dire que j'ai 6 chantiers. Hein. Ouais, genre la maison de Pécan, je la fous exactement ici. Et là, on se dit, si je peux foutre une échelle pour aller plus rapidement chez elle. Ou une pente. Je me dis qu'une pente, ça peut être mieux. Ah! Ah, donc Runar peut quand même venir chez moi. Je pensais qu'il pouvait plus venir sur l'île, du coup. Ah, c'est bien, là, ça veut dire qu'il y aura forcément un truc qui sera vrai, du coup. Oh putain, mais il y a plein de trucs, du coup. Alors, je crois que je l'ai pas, lui, hein. Toile potagère. Je veux l'examiner. Alors, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle est vraie. Parce qu'il me semble que la fosse, elle a un épi qui sort par la poitrine. Ah non, justement, ok, my bad. C'est la vraie qui a une truc. Donc non, du coup. Hein. Je l'ai déjà vu. Celle-là, je l'ai déjà. Ça, c'est quoi? C'est qu'il l'a déjà vendue? Ah, c'est juste d'acheter un socle random. Et ça, j'imagine, c'est pareil. Ok. J'imagine que ça et ça se vend... Enfin, on s'en branle, quoi. Je vais les acheter, je pense. Ça peut être bien. Alors, une statue pensive. Alors, comment savoir si elle est fausse, celle-là? Pensive. Y a pas de contrefaçon. Eh ben, écoute. Ça part. Après, j'imagine que je peux pas en acheter d'autres. Les conditions sont strictes, on n'accepte qu'une vente par client. Ah, ok. Et alors, est-ce que je peux acheter ça? Ok, bon bah parfait. Ça, je me dis que ça peut être très très bien. Ça pour le quartier asiatique, évidemment. Je peux même en acheter un deuxième en vrai. Parce que parmi les... J'allais dire parmi mes quêtes. Ah, ok, c'est par là. Ouais, parmi les choses que je me suis notées, j'ai noté de continuer le quartier asiatique. Donc maison Pécan, on la foutrait là exactement. Et ici, bah du coup, je refoutrais une pente. Bah ouais, exactement là d'ailleurs. Comme ça, on accède à chez elle facilement. Et ici, du coup, je foutrais une cascade qui terminerait là. Putain, en vrai, j'ai la flemme de pêcher. J'ai trop la flemme de pêcher. Bon, ouais, déjà, je vais poster dans le quartier asiatique ça. Alors, où est-ce que je pourrais le foutre? Ouais, peut-être ici. Oh, j'aime beaucoup ça en vrai. Ce petit endroit-là. C'est un peu dommage que lui, il n'ait pas poussé. Ouais, cette échelle, je pense qu'elle va y rester pour toujours. Hein. Et du coup, la maison de Jennifer, je la foutrais quelque part par là. Mais je vais laisser l'échelle. Hein.
pour avoir des accès faciles. Je suis vraiment content en vrai de ce petit pont et tout là, de cette cascade, etc. Je suis vraiment content d'avoir fait ça. Ça rend bien. Je suis content. Socle, étendard, étendard. Mais du coup, les étendards, je sais pas où je peux les foutre. Hein. Ici, je pense qu'ils feraient tâche. Ouais, ici, à la limite. Hein. Ah, c'est à cause du muret. Ouais. Oh! Ça va très bien, Wiro, merci. Hop. Et ben voilà. C'est pas mal comme ça. Et donc là, il se dit qu'on pourrait. Je pourrais foutre une petite décoration ou quoi. Bah, j'avais dit qu'aujourd'hui, je ferais de la. Enfin, j'avais dit. Je me suis dit, est-ce que je ferais pas de. Est-ce que je ferais pas full pêche? Au final, j'ai pas envie. J'ai juste eu des idées pour mon île, donc du coup, je vais faire que ça. Merde. Alors. Et non, c'est pas là que je le fous. Voilà. Ah, comme ça, les endroits où il y a une échelle, on le sait. Ah, et le fait qu'elle soit là, je peux pas la. Je peux pas poster ça. Bah ouais, pourquoi vous me faites chier? Ok, et ici du coup on foutrait la maison de Jennifer. En vrai j'ai envie de time travel juste pour placer les maisons quoi. Et après je me dis que je ferai ma décoration. Ça serait bien que cet arbre pousse aussi. Ça serait bien. Oh putain, c'est vrai qu'il y a des fleurs ici. Oh, il fait pitié lui, hein. Ouais, au pire, je me dis, si je veux atteindre le quartier asiatique, j'ai toujours cette pente-là pour y accéder efficacement. Non, mais ils sont bien, les étendards, ici. Et la maison de Jennifer, je pense qu'il faudrait que je la foute, genre, un peu en plein milieu, quoi. Et pas coller. Moi, j'aime bien coller les trucs, mais je pense que là, ça serait pas très bénéfique. Eh ben, écoute... Je sais pas, là je suis en train de courir. J'en vais profiter pour regarder si on n'a pas des petits insectes qui pourraient m'intéresser. Eh bien écoute, je pense que je vais déplacer les maisons maintenant et faire un petit peu ce que j'ai dit maintenant. Oh tant pis, hein, je m'en branle hein, de m'arrêter tard. Hein. Si je fais plus de 3 heures de stream d'Animal Crossing, c'est pas grave. Mais je pense que là, je vais juste déplacer toutes les maisons et tout, et je pense qu'on continuera là. Bon, finalement, je pense que ce mercredi-là, là, le prochain, ça sera pas le... Ça sera pas le dernier... Comment? Ça sera pas le dernier stream Animal Crossing. Je pense que j'en ferai au moins un autre après. Donc ça veut dire que le planning d'octobre que j'avais prévu, Wiro, bah, il fera effet la deuxième semaine d'octobre. Et pas la première. Ah ouais, je commence à manquer d'argent, hein. Ouais, là je commence à me rapprocher. Ça commence à être chaud. Je veux déplacer une infrastructure, s'il te plaît. On déplace un bâtiment. Hop, oui, on annule Monica. Du coup, je veux déplacer un bâtiment par l'infrastructure. Parfait. La maison d'un résident. Alors, je veux déplacer du coup Pékin. Et après, du coup, c'est juste la maison de... La future maison de... Comment? De... J'ai oublié. De Pek.
Vu que je sais pas quelle villageois se barrera pour remplacer Peck. Je pourrais pas faire la maison de Peck en avance, ni même la maison d'Apollo en avance. Je pourrais décider de son emplacement, mais c'est tout. Ou à la limite, je peux le faire, mais ça veut dire que si c'est le mauvais villageois qui se barre, ça veut dire que je serais obligé de détruire une. Enfin, de déplacer les maisons juste pour faire ça. Ouais, pour switcher les maisons, ça veut dire. Ouais, faudra que je fasse au moins 3 ou 4 déplacements. Enfin bref, sinon, Wiro, comment vas-tu? Je t'ai même pas demandé. Quel connard que je suis. Mais écoute, tu ne. Mais attends, t'étais pas là tout à l'heure? Mais si, mais attends, tu me dis bonsoir Lival, comment vas-tu? Mais tu m'as déjà. Tu t'étais déjà là tout à l'heure. Dans ma tête, t'étais là sur Genshin, mais non, en fait, t'étais là dans FNAF. construire une rampe, du coup. Ouais, je pense une pente blanche. Ouais, pour rester dans la DA un petit peu du haut de mon île qui est très caillou ou blanc. Mais je pense que je vais pas time travel maintenant, je vais d'abord récup... enfin, je vais d'abord un peu tryhard de la pêche. Là on est à combien? On est à 40 minutes de stream. Enfin de record. On se dit, allez, dans... à 1h30. Enfin, je time travel genre une semaine en avant. Ouais, c'est ça, ici j'ai bien mis une pente blanche, c'est ça. Alors bah du coup c'est ici que je veux tester ma truc. Il n'y a pas. Attends, qu'est-ce qu'ils me disent? Il n'y a pas cet endroit de pente falaise assez droit sur lequel la rampe. Ouais, s'appuyer. Peut-être qu'il faut que je creuse ça et que ce soit ça. Attends, on va vérifier tout de suite, hein. Est-ce que là, je peux la placer? Mais attends, mais c'est trop bizarre. Ouais, faut que j'aille plus loin, là. Ah non, moi, je voulais qu'elle soit plus incrustée que ça dans la montagne, la rampe. Ah ouais, non, non. Non, non, non. Ah oui, il faut que je creuse plus que ça. Au moins de deux. Alors, pour le coup, pas ici. Hop. Ouais, là, ça sera déjà mieux, je pense. Imaginons. Ouais, c'est mieux, là. Parapapapap. Et après, on se dit là, on creuse un angle. Ouais, à la limite. Attends, quoique. Mince. Est-ce que je peux creuser un angle là? Ah non. Ouais, il aurait fallu que là. Ah ouais, cet angle-là, je sais pas si je peux le construire. Je crois que c'est mort, je peux plus l'avoir cet angle. Bon, au pire, c'est pas grave, c'est bien comme ça. Bon, bonjour. Merci pour cette visite. Bon, évidemment, comme d'habitude, c'est moi qui paye. Merde. Donc comme d'habitude, c'est évidemment le joueur qui doit tout faire. D'accord. Bon, 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 bon. Hop. Ou bien faire un don, bien sûr, bien sûr. La campagne de don pour notre projet est finie. Eh ben nickel. Ouais, comme ça, je serais pas obligé de faire 10 mètres. Alors du coup,
si ça termine ici. Ça veut dire que là, va falloir que je fasse le chemin de terracotta pour rester dans la DA qu'on a fait ici. Tout maintenant. Et une fois que j'aurai posé la maison de Pécan, je vais finir les chemins. Alors juste, il faudrait que je poste tout à la même hauteur. Ok, donc là, si je fais full droite. Là. Donc là, ça veut dire tac et tac. Attends, je vais retourner là à droite. Ah, ok. Merde. Et donc la maison de Pécan, je la foutrais ici, du coup. C'est pas pratique pour visser ça. Ça aurait été bien qu'il y ait un petit truc qui fait que tu sais qu'est-ce que tu vises. Alors, il faut plus que je sois là. Ok, parfait. Bon, imaginons, mais je vais la mettre là. Merde! Non, je me suis trompé. Je me suis trompé d'un cran. Ah putain, fais chier. Putain. Ah. Oh putain, ouais, au pire je la rebougerai, c'est pas grave. Ah, fais chier. J'ai dit que c'était bon, c'est sûr. Aïe, 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 aïe. Fallait bien que ça arrive. Je me posais la question, ça va, ça fait pas bizarre. On va juste faire attention ici. À la limite, j'ajoute des petites barrières en mode ne tombe pas dans l'eau, boulot. Ah putain, mais oui, il fait chier. Et si du coup je fais rien de particulier? Ah, je suis dégoûté. Bon, tant pis. C'est quoi ça? Socle. Bon, bah allez, c'est parti. On va commencer à aller chercher des appâts. Ouais, à la limite, le socle, je le pose là et... Ah, oh, à la limite, le socle. Le fou genre ici. Ou ici, je plante un arbre, tout simplement. Oh, vas-y. On va planter des clochettes. Attends. Merde. Ah, ok, j'avais pas compris. Ah, ça marche pas? Comment on fait un arbre à clochette?
Arbre à clochette. Ah, minimum 80 000. Oh, flemme. Flemme. Ah, je pensais qu'on pouvait planter autant qu'on voulait. Bon, écoute, je mets ce trou-là en mode... pense à planter un arbre. Donc ici, on ferait notre zone d'eau. Ouais, à la limite, pour me souvenir, je peux dès à présent le péter pour me souvenir. Ouais, vas-y, hein, vu que j'y suis, autant le faire. Eh, en vrai, j'ai vraiment la flemme de faire le coryphène. Hein. Vraiment, hein. Là, j'étais en mode, ouais, vas-y, je vais pas m'arrêter de streamer à 23h30. Mais putain, regarde-moi. Je dis, vas-y, je vais fermer le coryphène maintenant. Je n'ai pas sorti ma canne à pêche une seule fois. Et ça fait 50 minutes que j'ai lancé le record. C'est fou quand même. Est-ce que je peux arrondir un... Ah, ça fait bizarre là. Ah oui, là je peux pas creuser. Donc j'imagine que là non plus je peux pas. Ouais. Ouais, à la limite de faire une espèce de carré comme ça, c'est pas plus mal. Ça ajoute un style artistique. Moi je suis un artiste. Et là on se dit, ici je fais une montagne. À partir de là. Ah, on peut pas? Ah putain, faut for... Ah, faut forcément laisser un espace derrière. C'est nul ça. Bon bah écoute. Voilà, si je veux passer, je passerai par derrière. Hop. Ouais, à la limite, la Lolo, je peux la faire tomber d'ici. Oui, tu ne peux pas faire de vraies montagnes. Mais moi, j'ai envie de faire une montagne. Moi, je suis dans Minecraft. Ah ouais, mais on la voit pas. Moi, je veux qu'elle se voie, ma cascade. Ah merde. C'est tellement chiant de devoir switch à chaque fois. Parce que là, du coup, ça veut dire, je fais ça, après, je fais plus, je prends le permis de cours d'eau. Là, je rebouche tout ça. Voilà, et à cet endroit précisément, là, faudra que je mette de l'eau. Ouais, ma montagne, elle est trop grosse, du coup, je crois. Quoique... Non, ouais, ça va, comme ça. Donc ici. Ah. Ah, merci. Bah pourquoi?
Mince. Pourquoi je peux pas ici? C'est dégueulasse. Bon bah écoute, tant pis. Hein. Alors, permis de cours d'eau. Bon bah du coup je fais ça. Wow, ça c'est du saut. Parcours. Ouais, à la limite. Hein. Ouais, au pire, on se dit si j'agrandis un peu le truc. Allez, pourquoi pas. C'est juste, ça fait très carré là, la truc. Est-ce que je suis à ça près finalement? Et ici, on arrondit du coup. Voilà. Et si je veux passer, bah je passe juste derrière. Voilà. Et bah, et un truc de fait. Voilà. Ça faisait partie des trucs que je m'étais noté à l'instant. Bah voilà, hein. Comme ça, ça me permet d'habiller cet endroit. Là, on a notre petite zone multisport. Là, on a notre petite cascade. En vrai, ça passe bien. Là, ici, on aura une rampe et une maison au-dessus. Ouais, vu que ce truc est là, on va le faire. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de beau? Un hi-fi stéréo. Oh, c'est pas mal ça, non? On prend. C'est bien. Ah, c'est une multigale, ça, je reconnais. Ouais, faut que je me méfie un peu des arbres quand même, hein, au cas où. Hein, parce que si je vois un scarabée, je pense que le scarabée, je le reconnaîtrais. C'est un insecte que j'ai jamais vu. Enfin, que j'ai jamais vu. Bon, qu'est-ce que je me suis noté dans ma to-do? Faire une zone à thème genre forêt en haut à droite du musée. Bah finalement, j'ai pas eu trop de place. Hein. En fait, je me dis ici, à part rajouter des mauvaises herbes, je sais pas ce que je pourrais rajouter. Hein. Là, c'est vrai que c'est vide ici. Je pourrais peut-être foutre un arbre ou deux. Mais bon. Là, faudrait que je trouve un fruit à planter. Là, ici, c'est bien, ça me semble suffisant. Non, mais c'est bien en vrai. Lui, il a déjà ce qu'il veut. Bon, allez, est-ce qu'on ferait pas un peu de coryphène, hein, après une heure de stream? Allez, moi, ça me semble être le bon moment. Et je vais empocher ma thune. Et on se dit, on fait ça pendant les trois quarts d'heure. Et au bout de combien? Donc là, on est à 59 minutes de stream. Donc au bout de 1h45, je time travel une semaine en avant. Faudra que je plante des arbres avant quand même pour pouvoir les faire pousser. Oh, à la limite, ce que je pourrais mettre, c'est un rondin. Un rondin juste à droite de la cascade que je viens de creuser.
Non mais c'est trop con, hein, parce que moi qui me disais, ouais, comme ça je vais me laisser des projets et tout à faire des petits trucs pour le moment où je reprendrai le jeu. Ah ouais, mais là, vu comment c'est parti, je... En fait, tout ce que je me disais que j'allais faire, je le ferai pas. On n'a pas vu de moustique encore d'ailleurs. Putain, y a rien là. Un scarabée, deux scarabées, trois scarabées. Scarabée. Donc du coup, par rapport à mon plan, là, au-dessus de moi, donc, c'est-à-dire à partir de ce pont-là, toute la zone qui serait, allez, ici jusqu'au bord de plage, ça serait une zone multisport. Voilà. Je la foutrais là, la zone multisport, du coup. Et je pense que je la ferais un petit peu monter. Je pense que ouais, je la ferais longer un petit peu. Mais ouais, mais c'est vrai qu'une difficulté que j'avais, c'est que je savais pas où la poser. Bon, en vrai, j'ai déjà assez de requins comme ça. J'en ai beaucoup eu dans ma vie de gamers. Enfin, cette plage est vide aussi, hein. Faudrait que je la remplisse un petit peu. Hein. Il n'y a rien du tout. Ah, franchement, je kiffe. Hein. C'est très simple, hein, ce que je fais vraiment. Je fais juste avec les objets que j'ai à disposition. Et je trouve le quartier asiatique, le quartier des loups, tu vois, c'est très simple, mais j'aime bien. Ça manque d'arbres. Vraiment, faut me le rappeler si je time travel et que j'oublie de le faire. Mais il faut que je plante des arbres, absolument. Ce qui m'arrangerait aussi, c'est de tomber sur le scarabée avant le coryphène. Comme ça, mon time travel, je le fais pour arriver en... Je le fais pour être en journée. Et comme ça, en journée, je pourrais, comment dire, je pourrais acheter des cèdres pour pouvoir justement les planter. Et pareil, je pense que je vais planter des cocotiers sur la plage de gauche. Comme ça, au pire, ça pourra augmenter mon taux de spawn du scarabée vu que je traîne sur les plages. On se dit, voilà, au bout d'1h45, je vais planter tous mes arbres et après, time travel d'une semaine. Comme ça, tous mes arbres auront poussé. Et hop! Wouhou! Il y a des terrines, pas lourdes. Elle est légère. On en profite pour que la racaille dégage, évidemment. La racaille, ça dégage. Oh non! Ma fidèle pelle vient de se briser. Comment vais-je faire? Seulement, j'en avais une deuxième. Oh, voilà, quelqu'un détourne ce bras. Ouais, au niveau des cocotiers, je me méfie un petit peu. Bon, on a vu qu'on pouvait tomber sur de bons trucs dans les ballons bleus. Du coup, je pense que je vais prendre tous les ballons bleus que je vois maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Un distributeur d'eau fraîche. Mais dis-moi, Jamy, c'est pas exactement ce que j'avais tout à l'heure? Ah non. Bon, ça peut être utile. Évidemment, un cran trop loin. Je pense que je vais en profiter. Ouais, je pense que je vais planter au moins 4 cocotiers sur les plages. Wahoo!
Et où est-ce que je vais les foutre? Allez, disons ici pour ne pas l'oublier. Allez, toujours le même poisson. Bon, j'ai pas trop regardé mes quêtes de Miles Noob, parce que je t'avoue, je m'en fous un petit peu. Par contre, pour le coup, si tout ce que je me suis noté là, je le fais, là, j'aurais vraiment plus aucun intérêt à relancer le jeu. Parce que là, j'aurais fini la déco de mon île, en fait. Et à la limite, ce que je pourrais faire, bah, c'est juste farmer les clochettes pour choper mes derniers villageois. Tryharder pour avoir peck. Mais je pense que la proba pour que je chope un peck à un prix qui est ok tier, je pense que ça va être compliqué. Pareil, Apollo, il coûte très très cher. Alors, nous, Kazoon, combien Apollo et Peck coûtent? Alors, Peck. Pour 450 000, en vrai, ça va. Encore là, je vois du 300k. Et c'était il y a combien de temps? Le 8 septembre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce qu'il y a un Apollo? Bon, ça s'écrit Apollo. Oh putain, c'est 1P et 2L. Putain, 2 millions la photo d'Apollo, vous foutez de ma gueule, mais c'est hyper simple pour les gens d'en avoir. Ah, la photo vaut plus cher que le poster. Alors, la dernière fois qu'il y a eu des Apollo, c'était le 13 septembre. Ouais, c'est mort, hein. Faut aller sur les Discord. Hein. Mais là, je pense qu'il me faut... Il faut vraiment que je me fasse de la thune avec les... Tiens, en vrai, vu que j'y suis, je vais les planter maintenant. Les cocotiers. Voilà. Voilà, j'en mets dans les endroits un petit peu un peu grands. Ici je pourrais même en foutre deux. Ici je vais pas en mettre, je pense. Ici je vais en planter deux, ouais. Ouais, et après ici là sur cette plage là je pourrais en refoutre, mais bon le problème c'est que j'ai mes... Ouais, tu sais quoi, j'ai combien de trucs là, je vais tout bouger. Déjà je vais crafter mes appâts pour gagner de la place. C'est où les fabrications possibles? Pourquoi ils l'ont foutu là? C'est trop con. Ça serait trop marrant que je tombe sur le coryphène maintenant. Bah si j'ai le coryphène maintenant, écoute... Je vais déplacer la maison de Pécan. Enfin, je vais time travel pour pouvoir déplacer sa maison. Après, je déplacerai la maison de Jennifer, et vu que c'est une autre maison de sûr. Et peut-être que je vais... En vrai, les insectes, c'est moins important, je veux vraiment finir en giga priorité le poisson d'Aix. Après ça, la zone multisport, ça je me le laisse pour une autre fois. La zone commerciale, on verra. Ouais, je pense qu'au prochain stream, je vais m'occuper de la zone commerciale et de la montagne des oiseaux et du quartier des oiseaux. Ah,
Encore une fois, Animal Crossing, je t'aime bien, mais le fait que ça prenne 10 secondes pour crafter un appât à chaque fois, c'est vraiment de la merde d'avoir fait ça. Et je vais continuer à planter des cocotiers, hein, du coup. Merde. Oh putain. C'est parce que j'appuie sur A et B en même temps. Du coup, je me fais niquer de temps en temps. Wouah! Alors, je crois qu'il m'en manque un. Yes. Eh ben, nickel. Et écoute, maintenant que c'est fait, on va tout bouger. C'était rapide. Voilà, on va tout foutre là. Ouais, distributeur d'eau fraîche, ça a vraiment sa place en plus ici. Je me dis que même le soc, il a sa place en vrai. Oh, je viens d'avoir une idée. Tac, tac, tac. La zone commerciale. La zone multisport. Plus mettre un tableau de Thibaut in shape. Eh, je suis obligé. Avec un tableau de la France à côté. Ah, ça peut être génial de faire ça. Quelle bonne idée je viens d'avoir. Oh oui. Mais quelle bonne idée. Ah, je suis content d'avoir eu cette idée. Et évidemment, vu qu'il a dit qu'il était plutôt de droite, on va lui mettre un... On va lui mettre une belle Marine Le Pen, un bon Jean-Marie Le Pen, une bonne France à côté. Ça peut être cool. Après, à voir comment ça rendrait. Alors, attends, il y a juste ça, par contre, que je vais garder avec moi. Ballon vitesse? C'est quoi déjà? Ah oui. Et après, qu'est-ce qu'on a? Ouais, je pense que le socle il peut être utile. Voilà, et du coup cette merde, je vais le laisser juste à côté de moi. Plus mettre un tableau de Thibaut in shape. Plus. Drapeau France plus Jean-Marie Le Pen. Voilà. Et bah c'est parti. On va commencer un peu à pêcher. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des poissons énormes. En vrai, je pense que les requins, je vais les prendre quand même. C'est de l'argent assez gratuit. J'ai besoin d'argent. Papa ? Ah, papa ! Il a pris un grand papa blanc. Eh ben, nickel. Commence bien. Premier poisson, un requin. Non, trop petit. Faut des poissons qui ont l'air plus grands que les barres communs. Ouais, c'est trop petit, ça. Ça, c'est du vivano ou du chinchard. Là, je crois que c'est trop petit. Mais bon, on va tenter. Ah, quoique. Allô, allô, allô? Ah, super. Ah, putain. Ouais, mais c'est un réflexe de merde, ça, d'appuyer, mais...
pas assez lourd. Oh putain, non, c'était la bonne taille. Oh, Karang à grosse tête. Ah, fait chier. Parce qu'en fait, j'ai une chance. En fait, le Corifen fait exactement la même taille que la Karang à grosse tête. Corifen et Karang à grosse tête. L'un, le Corifen coûte 6000, l'autre coûte 4500. Ils font la même taille, ils sont tous les deux trouvables sur les pontons. Oh lui, c'est sûr qu'il est trop petit par contre. Il est beaucoup trop petit. Voilà, lui il est de la bonne taille. Ah, ah putain, ouais, il y a le Cardo aussi. Ouais, le Cardo c'est le plus commun des gros poissons. Non, trop petit. Enfin non, je dis de la merde. En vrai, quand je me pose des questions, faut que je les prenne. Oh papa! Putain, comment il a tourné la tête. Ah, Remora. Ma manette n'a pas vibré. De fou. Alors ça, pour le coup, la question ne se pose pas. C'est sûr, c'est trop petit. Eh ben, écoute, c'est reparti pour un tour. Hein. Ah, il y a un copri irisé en haut. Je crois que c'est l'un des insectes les plus rares. Une heure du mat. Aïe aïe aïe. Ça serait bien que j'arrive à choper un deuxième truc comme ça. Pour le... Là, je vais voir à la mairie si je peux pas l'acheter. Alors j'entends un ballon. Je ne sais point un zou. Je vais voir si je peux pas racheter des choses qui peuvent être bien pour le quartier asiatique, le quartier des loups, des trucs comme ça. J'ai jamais pensé à faire ça. Bienvenue dans le Nook Stop. Alors, Nook Shopping. Ouais, articles spéciaux à la limite. Ah ouais, camion. Ok. Ouais, non, bah là, on s'en fout, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir qui serait bien d'avoir en double? Oh, la bague en diamant, je peux la racheter. Ah. Ballon rugby. Je me souvenais pas que j'en avais. Ça peut être grave bien. Je savais pas que je l'avais. Ça peut être bien pour ma zone de poisson. Ah, le bia. Cage à hamster. Mais je comprends pas, on est dans Animal Crossing. Ouais, cassette au phone. Non, mais je crois que j'en ai deux. Oh, quoique. Allez. Au pire, je ferai du time travel. Je pourrais me racheter ce que je veux. Fauteuil de ministre. Oh, un Mac. Ça peut être bien cette merde. Je sais même plus ce que je cherchais. Au pire, si je vois un truc. Ah, les lanternes. Ah bah là, je vais même en acheter deux, je pense.
Il me reste encore un achat à faire. Bon, au pire, je profite pour regarder ce qui pourrait m'intéresser. Ah, ce truc-là. Ouais, ok, je suis bien limité. Le truc flamant rose, je sais où je vais le foutre. Parce que j'en ai un chez moi. Oh putain, bah, le mur d'escalade! Instant. Instant, je me le note. Mur d'escalade. Mon panier de basket, j'en ai déjà un. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah voilà, set de pique-nique. Ah merde, on peut pas. Dommage. Spot au sol, ça peut être bien. Ça peut être bien. Le squelette. Ouais, c'est con, c'est rangé par ordre alphabétique, mais le problème c'est que tu connais pas l'ordre alphabétique des machins. Tu sais pas comment ils s'appellent. Ah, vélo d'appartement. Mais je vais voir si je les ai déjà. VTT. Ouais, c'est vrai que ce serait logique d'en avoir un. Ok, donc ça veut dire qu'il faudrait que je m'achète le vélo d'appartement, le VTT. Le mur d'escalade et des spots de socle. Enfin, les spots au socle. Mais les spots au socle, j'en ai... Enfin, j'en ai. Faudra que j'en achète plusieurs. Eh ben, écoute. Dès que je ferai mon time travel, j'irai checker. Ouais, les spots au socle, je les trouve tellement bien. Alors, qu'est-ce que je cherche? Mur d'escalade. Bon, non, mais attends, c'est sûr. C'est sûr. Ah, putain, tu sais, il est là? Ok, bah écoute. Je n'ai aucun souvenir d'avoir eu un mur d'escalade. Alors, après. Ça, je peux peut-être... Ça, je vais le récupérer pour le foutre dans le quartier asiatique. Ah, bah ça... Ouais, dans le quartier asiatique, ça peut être bien. Et après, qu'est-ce que j'ai noté? Les vélos. Ouais, c'est tout, juste les vélos. Ouais, mais après, là, c'est des... Non, les vélos, normalement, si je les vois, c'est là. Ouah, la maison de bâtard. Un peu vide, l'intérieur. Normal, j'ai pas fait ma maison. Je l'ai pas faite. J'ai juste fait deux salles. Ouais, pareil, ce truc-là, ça peut avoir sa place dans le quartier asiatique. Alors, pour te dire, les deux salles que j'ai faites... Ah non, j'en ai fait trois, pardon. Alors, j'ai fait ma salle de bain. Voilà. Passe rapido, ça. Après, j'ai fait le sous-sol, qui est un peu la salle de gamers. Enfin, de la salle de gamers. Un petit peu une salle un peu arcade. Voilà, une salle qui est un petit peu vide, en vrai. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de particulier? Là, t'as une Switch, là, t'as des trucs de Mario. Là, t'as le poisson le plus rare du jeu, avec des trucs du pays du soleil levant. Là, t'es encore en tuyau avec les cascades de Mario et tout. Voilà, des lunettes de tug, jeu de fléchettes, jeu truc. Table de billard. Ouais, à la limite, là où je pourrais foutre des trucs, c'est sur ce mur-là qui est un petit peu vide. Mais bon, en principe, t'es pas censé voir ce mur. Pourquoi il est rare, le poisson? Ah bah, c'est juste le poisson le plus rare du jeu. C'est celui qui se vend le mieux et qui est le plus chiant à voir. Parce que je crois qu'il est disponible que de nuit, pendant qu'il pleut.
et pendant peut-être un ou deux mois dans l'année. Et après, bah voilà ma chambre. Avec une photo de tous les villageois que bah, j'ai souhaité avoir. Attends, d'ailleurs, il m'en manque un. Ah bah non, oui, c'est vrai que Monica, elle est là. Voilà, sept villageois que je voulais et ma waifu. Moi, en mode Jésus des patates, évidemment. Et après, ici, c'est le quartier un peu streaming. Voilà, un petit casque, mes deux ordis, parce que, bah, c'est quoi ça? En vrai, il me faudrait trois écrans. Parce que là, j'ai mon Mac, mon écran sur lequel je joue à ma Switch, et mon écran principal. La tier list waifu, bien sûr, et ma guitare que j'ai dans ma chambre, mais que j'utilise pas forcément trop. Voilà. Spouelep. Ouais, je vais poser ça. Après, je vais regarder dans la zone multisport. Enfin, pour la zone multisport, est-ce que j'aurais un truc qui fait de la musique? Genre là. Service de thé traditionnel. Ah, ça peut être bien pour le quartier asiatique. Oh, de mettre des gamelles pour le quartier des loups. Ça peut être bien. Ah, ok. C'est ça que je cherchais. Un truc qui fait de la musique. Ok, ben bah nickel. Et du coup, le hi-fi stéréo, je l'entrepose. Et après tout ça, on est d'accord, je le garde. J'aime bien. Et ben bah merci. Bon, du coup, je vais faire un tour au quartier asiatique pour au moins aller déposer mes trucs. Alors. Alors, c'est bien beau d'avoir un paravent, mais où est-ce que je peux le foutre? En vrai, ici, non. Oh, attends, j'ai une idée. Ici, je mets ma baignoire en cyprès. Et pour accéder à cette baignoire, tu dois passer derrière le porte-kimono. Voilà, en mode ça cache. Voilà, si tu veux aller là. Je pense que je vais foutre des spots ici au-dessus là. Enfin, je me souvienne. Qu'est-ce que je pourrais poser après? Non, non. Non, c'est pas pour là. Plan d'escalade, c'est pas là. Okay. Là, on peut se dire. Ah non, c'est pas ici. Voilà, c'est là. Là, on peut se dire que je pose ça. Il n'y a pas assez de place. Quoi? Sérieusement? Fous de ma gueule, genre ça prend de la place. Ah oui. Ouais, c'est bien. À côté des... à côté des machines, là. D'ailleurs, ici, il faudrait que je pavais un petit peu plus. Je viens de me souvenir d'un truc. Le flamant rose. Le flamant rose. Je vais voir si j'ai pas une table aussi qui pourrait être intéressante et qui passerait bien. Alors, tac. Alors, est-ce que j'ai une table qui passerait bien? Non, j'ai pas. J'ai pas de bonne table pour ce que je veux faire. À la limite, j'ai celle-là, mais c'est très random qu'elle soit en extérieur.
Au pire, on verra comment ça rend. On verra, ça sera la surprise. En profiter pour récupérer lui d'ailleurs. Alors du coup la table. La table je la foutrai ici du coup. Oh en vrai ça va. Elle me choque pas trop. Ah, le plat de Dango, il regarde forcément vers le bas. Ouais, ça fait un peu bizarre. Ouais. Je vais le foutre là. Ouais. Allez, c'est pas grave. La table de Go. Ouais, à la limite, la table de Go, je la fous ici. Voilà, le paravent, bah du coup, le paravent, je pense que je vais pas l'utiliser. Je pense, je vois pas où est-ce qu'il aurait sa place. Parce que ici, qu'est-ce que je pourrais y foutre? Ouais, rien. Allez. Voilà, du coup, c'est ici que je vais mettre le flamingo. Bon, j'avais dit au bout d'une... Merde. Au bout d'une heure 45 de stream, je vais time travel, mais au final, vu que j'ai trouvé des choses à faire, j'ai vite arrêté. Merde. C'est quoi ça? Une bouture de péché. My uptime. 5h11 cette semaine. 236h en tout. Aïe aïe aïe. Il est bien comme ça. Tiens, à la limite, je peux même faire mieux. C'est poser du sable. Il n'y a pas assez de place. Tu te fous de moi. Tu te fous de moi. Voilà. Voilà. Do Flamingo. Et ben voilà, on est bien là. Ouais, c'est plus logique qu'il y ait un truc comme ça ici. Ok, et du coup, bah ici, je vais juste rajouter le mur d'escalade pour me souvenir que parmi les trucs sportifs... Alors déjà, il y a le panneau de basket. Et on aura le mur d'escalade. Paravent impérial, gamelle. Voilà, je vais mettre une cassette aussi. Alors, quelle musique fait sport un peu? Ouais, celle-là, ça me paraît être la meilleure. Hein. Ouais, j'ai juste pas de musique bien pour cette zone.
Oh! Un petit insecte rare. Oh, vu qu'on est là, autant le choper. Je sais plus c'est lequel ça. Oh, c'est le. C'est le Hercule, je crois. Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'elle fait, Chino? Ah, elle a raté son insecte. C'est lequel? C'est le Hercule, ça? Non, c'est le Atlas. Ah non, le Hercule, il a une pointe énorme. Bon, bah, du coup, vu que j'y suis, je vais planter mes cocotiers. Pour en avoir un peu plus. Il y a un petit dernier ici, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, comme ça, toutes mes plages auront un cocotier. Hop. Et bah, ça me paraît pas mal. Est-ce que j'ai posé tout ce que je voulais poser? Ah, la gamelle, non. Vas-y, je la laisse là pour m'en souvenir. Et là, le paravent, malheureusement, je sais pas quoi en faire. Hein. Il faudra que je décide de la place du pouture de pêcher. Eh bien, écoute, sur ce, on est reparti. Bon, allez, on se dit à 2 heures de record, bon, dans 24 minutes. Il n'y avait pas un arbre ici? Ah bon? J'étais persuadé qu'il y avait un autre cocotier ici. Ou c'est peut-être ici. Ah oui, qu'il y a un cocotier au-dessus d'un transat, c'est ce qui me semblait. Tu as déterré une peau lourde. Mais non. Alors, tac. Bon, je rappelle évidemment, toujours objectif Coryphène. Ok, c'est un insecte noir. Ouais, ce cocotier-là, je vais le... Ouais, je vais péter ce cocotier-là parce que celui-là, c'est chiant parce que je ne vois pas en fait. Je vois pas derrière et ça me fait chier ça. Le fait de pas voir vraiment. C'est trop trop chiant. Là, je viens de me faire avoir, je viens de perdre un insecte. C'est parce que je le voyais pas, quoi, tout simplement. Wahoo! Ah, mais c'est bien, mon île aura vraiment pris forme. Hein. Au final, mon let's play Animal Crossing aura été fait en deux parties. On a eu la partie Covid et la partie bah, de l'été 2024. La partie du renouveau. La partie où je finis les travaux, où je finis mon île. Après, voilà, comme je l'ai dit, bah, la dernière chose qui me manque, bah, c'est vraiment mes deux villageois. C'est quoi ça? C'est encore un insecte très rare. Quoi, c'est la girafe, ça, je crois. C'est la girafe ou l'autre qui lui ressemble. Wahoo! Girafe. Ouais, mais ça me permet d'avoir de l'argent, donc c'est pour ça que je me permets, pardon, de les prendre. Il est où? Il est là? Il est juste en dessous. On en voit souvent des chili quand même.
Des espèces de menthe religieuse là. Ouais, encore un poisson bleu, ça c'est un ballon bleu, pardon. Ils mettent bien ces. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ah, j'ai entendu un truc, mais j'ai pas vu où il était. Une couronne coquillage, que je connais déjà. Eh bien, j'irai le vendre. Il y a rarement des palourdes. Hein. Vraiment sur cette plage-là. Il n'y en a jamais. Putain, c'est fou. Même pas une. Je sais pas, peut-être que cette plage, elle est jamais chargée ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Il manque 9 palourdes. Bon, allez, bah, je crafte ça. On utilise les 9. Putain. On utilise les 9. Derrière. On refait un petit tour pour avoir des palourdes. Avant, je vais vendre évidemment tout ce que j'aurais récupéré. Après avoir récupéré ces palourdes, pareil, on pêche, etc. Et je pense que je vais time travel derrière. Et une fois que j'aurai bougé la maison de Jennifer, je pense que je vais. Enfin, mon prochain time travel sera mon dernier de la. Mon dernier de la journée. Après, bon, je referai un time travel, mais juste pour remettre la date à aujourd'hui. Et on continuera mercredi, du coup. Bah, du coup, le vélo d'appartement et le VTT, je les ai pas trouvés, hein. Mais c'est bien, pour la zone multisport, on a des choses, au moins. C'est cool. Trop petit, hein, il me semble. Hein. Il me paraît bien maigre, ce poisson. Ouais, barre commun. Ah, Vivano! Ah oui, oui c'est encore plus petit que ce que je pensais. Parce que le Vivano, il y a une taille en dessous. Ah oui, donc c'est pas petit, c'est vraiment beaucoup trop petit. Là, c'est une murène. Les murènes, ça vaut pas grand-chose. Un peu la flemme. Là, c'est trop petit. Trop petit. Ah, ouais. Ça, c'est la bonne taille, normalement. Normalement. Ah putain, le nombre de barres communs que j'ai eu. Même des carangues. Hein. On va dire, j'ai à peu près une chance sur deux d'avoir une carangue ou un coryphène. J'ai eu 4 carangues. J'ai jamais eu de coryphène. Ah, j'ai eu de la latence là. Ah bah encore un bar commun. Hein. Au niveau des vibrations. Ouais, on termine sur un petit requin. Ou une rémora. Putain, agressif. Rémora. Warcou. Tu as pris une rémora. Ah, merde. Oh, c'est chiant ça. C'est chiant ça. Parce que. Bah, je fais en craft. Donc non, finalement, on s'en branle. En vrai, je m'en fous. Je peux en recraft, c'est bon.
Qu'est-ce qu'il fait, là? Tu vois pas que c'est une zone de sport, là? J'ai un doute. Ouais, je crois que c'est un rare, celui-là, normalement. Mais bon, un peu la flemme de perdre mon temps. Bon, bah, du coup... Ah. Ça? Ah, putain, j'ai pas eu le temps de voir. Putain, il a déjà spawn, ce papaye. Ok. Wahoo! Alors, tch, bave. Combien de place sur moi? Ouais, ça va. Ouais, il est bien cet endroit, c'est un bon spot. Tu sais, il est bien ouvert et tout. Ah. Nickel. Wahoo! Copriorisé? Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, il vaut pas mal. Hein. J'ai de la chance d'en avoir deux. Hein. Parce que depuis que j'ai repris mon let's play, je crois que c'est genre que le 3... Je crois que c'est le 4e copriorisé que je vois. Je crois que c'est l'un des plus rares, ou du moins l'un de ceux qui vend le mieux quand même. Il se vend bien celui-là. Alors est-ce que j'ai de la place? Je pense que là j'atteins mes limites, non? Ouais, deux. Ah, vas-y, je fais juste cette plage et après je vais aller vendre ce que j'ai. Tiens, juste avant, je vais aller vérifier sur les Nook Miles. Est-ce qu'on a des ventes à faire? Taper sur des pierres, ouvre ta pendre, échange de loup, gnu gnu. Boire un café. Bon allez, vu que c'est rapide, on va les faire. Spouet, pouet, 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 spouet. Voilà, ça fait des miles nook assez facilement. On prend, évidemment. Un swear. Et comment? 2 balles le café, ça va. Je rappelle qu'évidemment, par rapport à l'euro, les clochettes, il faut retirer 2 euros, tout simplement. Ah, 2 balles le café. Je goûte. Dégueulasse le café. Enfin. C'est... Que mon avis après. Ah non, j'aime pas du tout. Non, ça me dégoûte, hein, vraiment. Un truc, hein. Le tiramisu, je pense que c'est mon dessert préféré. Mais vraiment. Le tiramisu au café. Je suis tellement deg quand il y a du tiramisu, mais qu'il est au café. C'est quoi là? C'est revendre des mauvaises herbes? Ouais, ça c'est facile, ça à la limite je pourrais le faire. Ah, attends, j'ai une autre quête. Hein. C'est quoi? D'aller boire un certain nombre de trucs, c'est ça? C'est ça. Dom, 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 dom. Spouette. Pouette, pouette, pouette. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que... Ouais, c'est bon, j'ai le péché sur moi. Allez. Merde. Attends.
Ah, je pensais pas qu'il se planterait direct. Oh, à la limite, ici, c'est pas plus mal. Hein. De toute façon, je leur récupérerai jamais ces fruits. Bon, là, on m'a dit, c'est con, tu vends d'ici, tu perds de l'argent, connard et tout. Ouais, qui décide? On va vendre tout le caca. Ah, le copririsé, il vaut 5000. Hein. Ah, bon, après la Lucane. Petit joueur, là. Scarabée Atlas, il vaut. Ouais, que 6000. Pas beaucoup. La Karang, il faut 4000, je crois. Ouais, c'est ça. Et le Papa Blanc, il vaut 12k. Stonk. Ah, 12k, mais après, faut retirer un pourcentage. Vu que normalement, ils sont censés... Voilà. Ils sont censés donner plus que ça. Putain, et directement après, je repars sur un big insecte. Moi, je rappelle, hein, le dernier insecte qu'il me faut, c'est le scarabée. Il y a un insecte un peu jaune doré. Je pense que quand je le verrai, je saurai que c'est lui. Attends, j'ai cru entendre un... Yes. On est à 1h52 de stream d'ailleurs, donc comme je l'avais dit, dès que je suis à 2h de rec, enfin j'ai dit de stream, hein, je parle de rec évidemment, et dès que je suis à 2h, eh bien time travel pour me construire la rampe et la maison de Pécan. Et si je time travel, je sais pas si je time travel en journée. J'avais dit oui, probablement. Mais le problème, c'est que si je time travel en journée, bah, c'est pour acheter des cèdres. Mais c'est tout, quoi. Et je vois qu'il y a un insecte en haut. C'est quoi? Ah, c'est un cabuto. Quoique j'ai un doute que si ça, c'est un cabuto. Et en vrai, ces bambous, ils sont très random, hein. Ils sont très très random ici. Ça aurait été rigolo qu'il y ait un insecte qui prenne la place des pousses comme ça. Bon, vu qu'on est là, on va en profiter pour craft. Ah, j'en ai 13 déjà. Ouais, à la limite, on va pêcher maintenant. On va pêcher maintenant et je vais time travel après. Je pense que le titre de la VOD, ça va être les idées fusent dans ma tête. Parce qu'au dernier stream, j'étais dépité à la fin et je me suis arrêté tôt parce que je savais pas quoi faire. Et là, au final, j'ai eu pas mal d'idées qui me sont venues. Et on a un peu pêché pour essayer d'avoir le coryphène. Malheureusement, je l'aurai très probablement pas ce soir. Mais bon, déjà, on a avancé. Donc je time travel une semaine en avant pour choper des cèdres. Pour faire pousser tous mes nouveaux arbres. Pour acheter... un vélo et un VTT et le plus de socle possible derrière. Poser mes lanternes, etc. Acheter mes cèdres. Poser le tout. Et je pense que je vais m'arrêter direct après mon... Dès que là, je time travel, je fais tout ce que je viens de dire. Et après, je fais le dernier time travel juste pour remettre la date au jour. Et je m'arrêterai là. Peut-être que j'irai juste voir Runar, hein, évidemment, pour essayer d'avancer et
le plus efficacement le musée. Non mais aujourd'hui, efficace. Non, en plus ça y est, on va dire j'ai mes petits plans. Je sais ce que je vais faire pour les prochaines fois. Donc là, juste avant de m'arrêter pour ce jour-là, on va dire, là je fais quoi? C'est juste je pêche et je time travel, j'ai rien à poser. Moi je crois que j'ai déjà planté tous les arbres que je voulais. Donc c'est bon, à la limite faudra juste que j'aille déposer la gamelle et le paravent. Ouais, trop petit ça. Beaucoup trop petit celui-là. Voilà, ça c'est du poisson que j'aime bien. Ça c'est déjà mieux. Peut-être un bar commun. Ouais, bar commun. Non, pas bar commun. Ah si. Okay. Il me semblait qu'il vibrait plus qu'un bar commun. Non. Écoutez, le coryphène, ça sera pour une prochaine fois. Hein. Au moins, je peux me sentir heureux. Hein. J'ai eu des sélacantes. Le sélacante qui est le poisson le plus chiant à voir normalement dans le jeu. Vu qu'il faut que les conditions soient réunies. Et devinez quoi? Je l'ai eu par hasard. Oh. Mais ouais, je crois que ces conditions de spawn, elles sont chiantes. Je crois que c'est un poisson de ponton, de nuit et de pluie. Alors vraiment, le poisson à peine casse-couille à avoir. Bon, malheureusement, ce n'est pas sur ça. Alors, est-ce qu'il est bleu? Il est vert. Ça veut dire quoi, vert? Merde. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Est-ce que je vais aller le vendre? Une rhum marocaine, ça... Merde! Oh non, je voulais pas le porter. Oh, ça me dégoûte. C'est pas possible. À la poubelle. Putain, fait chier, du coup, faut que je remette mon vêtement. Oh, je voulais le placer pour le voir, c'est tout. Ah, un truc que je peux faire avant de m'arrêter, quand même. Là, j'ai quoi, du coup? Orange, cerise. Allez, pomme. Et j'aimerais bien une de pêche, si possible. Bah, à côté de chez moi. Ah, ici. Je vais aller vendre mon caca. Et je vais aller planter des arbres autour de mon logo de Naruto. Voilà, histoire de remplir cet endroit, parce que de toute façon, j'en ferai jamais rien sinon. Vu que je suis là, je vais en profiter pour poser... Putain, il y a encore celui-là qui a spawn. Va en profiter pour laisser une gamelle. Il n'y a pas assez de place. Bonard. Il a fou sa gamelle. Je l'aime bien cette petite lampe. Je pourrais peut-être la foutre autre part. Ouais, je pourrais la foutre là, à la place. Ça, je prends sa lampe et à la place je fous sa gamelle à ce chien. Voilà. Et ici du coup je pose la lampe. Voilà. Bah, le paravent impérial, vu que je sais pas quoi en faire, je vais le laisser là.
Je vais en profiter pour voir. Est-ce qu'il y a des trucs qui font un peu asiatique sur moi ou un peu loup? Ça, je pourrais le foutre à côté d'une rampe. Mais je sais pas où. Oh putain, c'est tout. J'ai tellement peu de choses. Ah, pompe à eau, je pourrais la foutre dans le quartier, enfin dans la zone commerciale. Ouais, bah écoute. Hein. Écoute, écoute. Et bah du coup avant de time travel, voilà, on va aller là et moi je vais planter des arbres. Alors peut-être un cran au-dessus. Ouais. Alors dans l'ordre. Allez vas-y. Orange. J'avance un peu. Tac. Cerise. La cerise sur le gâteau. Ici. Paf. Pomme. Merde. Bon bah tant pis. Ici, on va poser pêche. Ici, orange pêche, c'est bon. Donc, cerise. Ici, pomme. Un cran au-dessus. Voilà. Et après c'est là où j'hésite un petit peu. Je sais pas trop où je vais foutre la maison. Je me dis que ici ça peut être bien ou en plein milieu. Mais bon. Allez, on se dit là. Ouais, c'est pas mal. Et ici on plante orange du coup. Voilà. Wally Wally. Donc time travel d'une semaine. Comme ça, mes constructions se font. Derrière, je vais à la mairie pour acheter des spots au sol, le VTT, le vélo d'appartement. Déplacer la maison de Jennifer. Et après, je sais plus. J'ai déjà oublié. J'aurais dû me noter ce que je voulais faire. Et entreposer. 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 On fait une pause. Oui. S'il vous plaît. Et pour clôturer ce stream, et surtout cette session Animal Crossing qui n'était évidemment pas prévue, on va aller voir le quartier asiatique. Pour voir un petit peu à quoi il ressemble, comme ça, avec tous mes petits ajouts du jour. Spouelle et pouette pouette. Ah, Nintendo Switch Sport. Faudrait vraiment que je lance un jeu ce jour. Un jeu ce jour. Ouais, j'ai dit d'une semaine. Oh, voilà, 31. Attends, le 31, c'était quoi comme jour? Faut que je mette un jour où j'avais pas joué. 31, c'est un samedi. Je jouais pas les samedis. Donc c'est bon en principe. Et j'avais dit que je mettais le jour pour pouvoir acheter des cèdres. J'avais dit que je mettais le jour pour avoir des cèdres. Voilà.
Bah, la déco du quartier asiatique, je peux noter comme quoi c'est bon. La zone à thème au-dessus du musée, je note que c'est bon. Compléter le quartier des Louvres, ouais, bon, ça va être un truc un petit peu sur le long terme. Le tableau de Thibaut InShape. Oh putain, mais mec, mais la miniature de fou. Les mettre sur la miniature de la VOD. Évidemment. Quand je ferai ma zone multisport, mais vraiment, je vais mettre le tableau. Je vais mettre un gros Thibaut InShape sur la miniature, évidemment. Je suis obligé. Oh, le danger là, c'est qu'un villageois que j'aime pas se casse. Imagine Pékin veut se barrer alors qu'elle vient à peine d'emménager. Mais je crois que quand un villageois vient d'emménager, il peut pas se barrer. Spouette, pouette, pouette. Bonjour, on est en été. Il fait 40 degrés dans ma chambre. L'avenir vers. Oh, c'est la livre de Monica! Incroyable! Mais évidemment qu'on va aller, on va aller la voir. Bah attends, si j'avais su. Évidemment! Évidemment qu'on va aller la voir. Oh, téléphone sonne. C'est Mélie de la boutique. Incroyable. C'est vrai qu'un truc à faire aussi, c'est d'aller voir Rona. Bon, d'accord, blablabla. Le thé. Voilà, et après, on a tous mes trucs. Lanterne en papier. En papier. Quoi? Comment ça en papier? Ok. Attends, on est d'accord, c'est bien ce que je pense. Ah, c'est le lampion! Ah bah c'est ce qui me manquait dans la zone asiatique ça. Le hamac, c'est vrai. Cassettophone. Bah du coup je crois que je l'ai acheté pour rien ça. Yes, je l'ai pris pour rien. Bon c'est pas grave. Et le ballon de foot pour la zone de sport. Bon cette merde là je vais la retirer, je vais essayer d'y foutre, je vais y foutre un cèdre ici. Alors la zone asiatique. Alors. Ah oui c'est vrai que j'avais dit que je voulais foutre des spots ici. Non, ça va, cette table, je la trouve pas trop bizarre. Ouais, les spots, sinon je les fous là. Je sais pas. Ouais, ou sinon je les fous là, les lampions. En vrai, je pense que ça passerait bien ici. Ouais, ça passe bien. Allez. Ouais, ici aussi, ça passe assez bien. Ça aussi. Bon, ça c'est très random, mais bon. Ah, Chino. Ah bah oui, t'es bloqué ici. Tu peux rien faire. Ah, comment tu fais pour partir? Alors, il faut que j'aille voir si mes arbres, ils ont tous poussé. Les saletés d'arbres. Alors, tous mes cocotiers, là, ils sont bien là. Ok. Ok. Bon, je pense qu'ils ont tous poussé. Bah du coup je vais foutre une autre radio hein. Alors. Hop. Et hop. Ah ouais, le ballon de foot américain, je l'avais pas. Spouette, pouette, pouette, pouette. Bon, faut que je trouve un endroit pour le hamac. Ah, elle est assise, elle, putain, je pensais qu'elle était en train de baisser la tête en mode je réfléchis, je veux partir de l'île. Je vois bien ici le hamac. Oh, quoique ici. Ou là-bas. Ouais, peut-être plus ici, vu que c'est la zone un peu beach sport. Alors, hamac. Ouais, elle est ici.
Pom, 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 pom. Ah yes, il a poussé. Donc la maison de Pécan. Donc vu que je suis là, on va en profiter pour faire ce que je fais habituellement. Bon, ça fait vraiment chier qu'elle soit décalée de 1 cran. Je suis dégoûté. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est trop bizarre. Hein. Tu m'étonnes, ça fait bizarre. En vrai, ça cache la misère, là, ce que je viens de faire. Bon, je sais pas trop quoi faire de plus. Là, j'avais dit que je planterais mes cèdres. J'avais dit, ouais, je plante mes cèdres. Je vais voir les runards, là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Que de la merde. J'en profitais, je vais m'acheter une nouvelle pelle. Vu que j'aurais peut-être besoin pour le coryphène. Merde. Les 7, je pense que je vais en acheter une bonne dizaine. Remède, baguette fluo, ok. La plante de cèdre, est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants? J'ai pas l'impression. Ouais, vas-y, on va acheter de l'eau de 5. Même 3. 3 pour être sûr d'en avoir assez. Merde. Oh putain. Pom, 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 pom. Hop. Je vais en acheter 5. Y'a quoi ici? Ah! Ah, je savais pas ça. Sol girafe. Alors, y'a rien qui m'intéresse. Mais c'est bon à savoir. Y'a moyen peut-être de choper des trucs comme ça. Bon, au cas où, au cours du navet, 97, laisse tomber. Ouais, si j'ai un cours du navet à 500, clairement je me le note. De toute façon, les cours de navet, c'est toujours les mêmes en soi. Genre, dès l'instant où t'as un jour avec un bon cours du navet, bah, c'est juste le jour où tu veux te faire des clochettes. Tu fais une annonce, voilà, il y a. Un cours du navet, c'est ça. Et puis voilà. Alors, est-ce que tous mes arbres ont bien poussé? Ça a l'air d'être bon. J'ai un immense doute. L'insecte qui s'est envolé là, un peu jaune. Non, c'est bon, le scarabée c'est de 23h à 8h. Ah, j'ai eu peur. Hein. Ah, c'est plus cool là avec tous les arbres comme ça. Bon, ces fleurs-là, faudra que j'en fasse quelque chose. Hein. Vraiment. Vas-y, je vais aller voir Runar. Donc là, je vais voir Runar. Je vais planter mes cèdres. Et après, je sais pas ce que je vais faire. Ah oui, après, faut que j'aille au... Donc Runar. Je note. Runar. Planter cèdres. Et après, acheter objet dans Mairie. Et après, time travel. Enfin, après, je remets la date à aujourd'hui. Et on continuera mercredi. Ah bah, belles petites avancées aujourd'hui. Oui, oui, ça, ça, oui. Non bah, le quartier asiatique, on a fini de le décorer. La zone, bah là, toutes mes prochaines zones, elles ont été décidées. On a un petit peu décoré en haut à droite du musée. On a décidé de l'emplacement de Peck, Jennifer, de la zone multisport, de la zone commerciale.
de la montagne des oiseaux. On a un petit peu décoré, on va dire, j'ai juste planté des arbres, hein, voilà. Pas grand chose. Autour du truc Naruto. C'est déjà ça. Bah du coup, celle-là, on l'a déjà. Donc c'est celle-là qu'il faut voir s'il y a les fautes. Ah bah là. Bah là, c'est évident. Non, mais elle est fausse, celle-là, c'est sûr. À quel moment il a un tronc d'arbre dans le cul? Putain, il a fait un petit paquet. Alors, statue athlétique. Eh ben oui, évidemment. Ah non, la vraie? PTDR. Il y a vraiment un tronc d'arbre dans le cul? Alors là, si je m'y attendais à ça. Et comment savoir? Sur le faux, il porte une montre. Bah là, j'en ai pas. Bah c'est une vraie. Putain, mais Banger? Je pensais pas. La statue au tronc d'arbre dans le cul. Ça, c'est du titre de. Ça, c'est du titre de VOD. De short, pardon. Eh ben écoute, Banger. J'ai de la chance en vrai, j'ai souvent des trucs que j'ai pas. Eh ben nickel. Bah du coup, Renard, c'est bon. Donc maintenant, on va aller. Bon, on va acheter dans la mairie vu que c'est le plus proche. Après, on va aller planter tous les cèdres. Peut-être planter un petit cèdre en haut à droite. Enfin, vers chez Pécan. Je pense de toute façon, le quartier des loups. Le quartier des loups et les hauteurs à côté des loups, je vais planter que des cèdres. Je vais mettre que ça. Mais bon, la mairie est plus proche. Enfin, la mairie. Ah, putain, oui. Changer de Jennifer. Place. Ah oui, donc il va falloir que je fasse ça aussi. Pourquoi je suis allé là? Non, moi c'est à la mairie que je dois aller. Anniv de Monica aussi. On va finir le stream par l'anniv de Monica. Je viens de me souvenir. Alors on commence ici. Utiliser le no shopping. Alors, qu'est-ce que je veux? Spot au socle. VTT et vélo d'appartement. Donc tout est en bas. Non, non, je peux pas aller plus vite. Ah si. Alors, VTT, variation en blanc, vas-y, très bien. Commander. Vélo d'appartement. Et le dernier, c'était les spots. Au sol. Voilà, ok. Donc ça c'est fait. Acheter les objets dans la mairie, c'est fait. Donc next, c'est changer Jennifer de place. Normalement, j'ai pas de pont ni de rampe à craft. Enfin, à poser. Bienvenue au guichet de consultation. Déplacer un bâtiment. La maison d'un résident. Jennifer. Jennifer, ça serait cool que j'essaye de trouver des objets qui pourraient servir un peu en mode cheval. Oh, je sais. Maison de Jennifer. Attends, dans ma to-do. Elle est où ma to-do? Extérieur de Jennifer. Mettre des trucs qui font penser aux chevaux. Au truc de racaille. Plus mettre un tableau de Aya Nakamura.
plus Jean-Luc Mélenchon. Parce que j'avais dit que c'était une gauchiste qui parlait comme une racaille et tout. Comme une meuf de cité plutôt. Et bon, très souvent, les gens de cité, voilà, ils vont pas trop voter Marine Le Pen. Donc ils se disent qu'ils vont être envoyés dans leur pays d'origine. Dans leur... Même pas leur pays d'origine, leur pays. Aïe, aïe, aïe. Mais Calon, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Ah, j'ai l'impression que mon Mac, il ne se recharge pas. J'ai l'impression qu'il est bloqué à 80%. Ouais, bizarre. Eh bien, nickel. Alors maintenant, la question, c'est où est-ce que je mets sa maison? Parce que ça, ouais, c'est... Je pense que je vais la poser maintenant avant d'oublier. Ouais, en dessous de chez Jennifer, je pourrais faire... J'ai une bête de zone ici, en vrai. Je m'en rendais pas compte. Ah ouais, j'ai vraiment une grosse zone ici. Mais je pense que la maison de Jennifer, je vais la coller au mur. Enfin, on va voir comment ça rend. C'est vrai que j'ai la statue à donner à Kibou. Au pire, hein, je le ferai au prochain stream. Alors, imaginons... J'aime pas. Oh, j'aime pas du tout le fait que ce soit collé. Et ouais, et le problème, c'est que j'ai tout ça. Le problème, c'est que j'ai tout ça. Je suis pas fan de mettre la maison de Jennifer ici, en fait. En vrai, je pense que la zone multisport ici, ça peut être bangé parce que j'ai un espace immense. Ouais, quoique, même ici, hein, j'ai un grand espace. Ah mais je pense que la maison de Jennifer, le mieux c'est qu'elle soit là. Ah mais le problème c'est que c'est trop random comment elle serait posée. Sinon pareil, je fais une espèce de montagne autour de chez elle. Pour que ce soit un peu plus joli. Mais du coup tout ça, faudrait que ça dégage. Bon allez. Je vais retirer tout ça. Parce que ça me gêne. Ouais, je vais noter pour la maison de Jennifer. Ouais, je vais rien noter de particulier. À la limite, je vais juste retirer ça. Je vais poser la maison, voir comment ça se passe. On va retirer ces fleurs-là. Ah, le problème, comme d'habitude, en fait, c'est que les fleurs, on peut pas les vendre. Ça, ça me dérange fortement. Ouais, les fleurs dans Animal Crossing, c'est un fléau. Hein. C'est hyper chiant à poser, à récupérer, à faire pousser, à farmer. Tout est lent avec les fleurs. Et en plus, ça consomme ta pelle. Horrible, ça. Je pense que je vais les garder sur moi le temps de savoir ce que j'en fais. Parce que je suis obligé d'entourer les fleurs, parce que sinon elles se propagent. Et après j'en ai 20 milliards et bah... Je sais pas c'est combien de temps pour se débarrasser d'une fleur. Pour la ramasser. Ouais, le temps de la ramasser, de boucher le trou, de la mettre dans notre inventaire, de se déplacer pour une autre fleur. Ouais, on est bien à 5 grosses... Ouais, et en plus si on compte mes failles. On est à 5 grosses secondes hein, quand même. Hein. Même plus que 5 secondes pour une seule fleur. Si on cumule le tout. Alors imagine la fois... Bah,
J'ai genre pris 1h30 à 2h, je crois. Pour me débarrasser de toutes mes fleurs. Plus de place. Oh, tu te fous de ma gueule. Je pourrais les changer contre quoi? Bah, rien. Ouais, au pire, s'il en reste qu'une. Oh, juste que j'oublie pas. Oh putain, parce qu'en plus ça prend. Oh, elle se stack pas, mais c'est vraiment un enfer les plantes. Hein. Parce qu'en plus tu peux pas les poser dans ta maison, elle se stack pas. Ouais, à la limite, faudrait que je trouve des endroits où les poser, quoi. Ouais, on se dit à la limite. Je sais pas, allez, ici j'en plante une. Là j'en mets une autre. Et hop. Voilà, pour habiller un peu l'endroit. Ouais, en vrai, mes milliards de plantes, faudra qu'elles servent à ça. Hein. Ah, ici, je sais pas, j'avais dit que je ferais quelque chose ici, mais je sais toujours pas quoi. Je pourrais peut-être mettre un petit espace de jeu. Bon, en vrai, pendant que j'y suis, je vais planter mes cèdres. Tiens, ah, bah ici, typiquement. Bon, en vrai, ici. Ah merde. Ah mais je crois qu'ici il pourra pas pousser. Je crois qu'il n'y a pas assez d'espace. Et en vrai, est-ce que je cacherai pas? Ouais, comme ça. Comme ça je le cache ça. Avec l'arbre, moi, c'est bien. Alors ici, j'avais dit que je mettais un cèdre du coup. En espérant qu'il puisse pousser. Ici, on peut se dire que j'en fous un. Mais pourquoi Chinois il est là d'ailleurs? Qu'est-ce que tu branles là toi? Bon, en espérant qu'il puisse pousser ici. Quoique. Non. Là. Là, ouais, on peut se dire on en fout un là. Ici. Ici. On va en foutre. Voilà. Après. Ici. Voilà, ici peut-être que je ferai un chemin en terre pour aller là derrière. Et ici, je crois que j'avais dit que j'en faisais un. Ouais, je crois que j'avais dit que j'en mettais un là. Ouais, on se dit, allez, je fous des plantes à droite à gauche. Je vais me débarrasser de toutes mes chrysanthèmes mauves. Voilà. Ici, je pense que je vais rien foutre. Ici, je pourrais foutre des spots de lumière. Allez, une petite chrysanthème là. Voilà, comme ça, elles sont toutes posées. Voilà, et c'est là où je vais m'amuser maintenant. Alors déjà, on peut se dire. Ici. Enfin, ça me fume vraiment d'avoir mis une gamelle ici. J'aime bien le fait que ce soit un peu ouvert ici. Mais bon, plus de cèdres. Toujours plus de cèdres. Ouais, non, ici après, vu que c'est une maison d'un habitant, on va éviter de surcharger. Ici,
Ouais, on peut se dire. Enfin, en vrai, je n'aime pas cet arbre. Ce poirier là, il m'a toujours dérangé. Je trouve qu'il a vraiment pas sa place ici. Ouais, à la limite. Vas-y, je vais laisser le tronc comme ça. Fait tâche ça, ça aussi. Vas-y, ici on va mettre un cèdre là. Tac. Ouais, je pensais que j'en planterais plus que ça quand même. Hein. Enfin, ici. Ici. Bon allez. Allez, je vais en foutre un là. Un chouïa plus haut. Et alors mes autres cèdres, où est-ce que je pourrais les foutre? Ici non, évidemment. Là ici c'est pas mal déjà. Ouais, je vais en mettre un là. Hop, ici. Ouais, j'avais dit qu'ici ça manquait. Ça manque d'un petit cèdre ici. Et ici, bah comme j'ai dit, ouais, faudra que je mette peut-être une zone un petit peu de jeu ou quoi. Ça me paraît pas mal. Où est-ce que je pourrais mettre le dernier? Ça me paraît pas mal, hein. J'en fous un random ici à la limite. Bon, après, c'est vraiment trop random. Hein. En haut, où est-ce que je pourrais le foutre? Ouais, j'ai pas envie de le mettre au-dessus de la maison. Ouais, à la limite ici. Ah, mais pareil, là, il y a la rampe. Bon, je vais le foutre là et puis basta. Hein. Allez. Alors les cèdres, pardon, c'est bon. Jennifer. Alors Jennifer, où est-ce qu'on la fout? En plein milieu là? D'ailleurs, je vais récupérer ça. Jennifer, on se dit où? On se dit là? Alors. Vas-y, imaginons. De toute façon, je sais pas où je peux la foutre, donc autant la foutre là, quoi. Ouais, en plein milieu, mais ça fait tâche, hein, vraiment. Ouais, au pire. Au pire, on verra. Si je trouve que c'est vraiment dégueulasse, tant pis. Eh ben écoute, plus que faire la nif de Monica et je m'arrête là. Alors ça en commande ici. Ouais, ça va. Ouais, ça va en vrai. Que j'ai la statue. Qu'est-ce que je pourrais faire là de particulier? Oh putain, je peux pas poser sur ça, mais quel enfer. Bon, la maison de Jennifer, ça sera pour le prochain stream. J'essaierai de trouver quoi faire. Voilà.
Bon, pourquoi je fais ça? C'est pour juste économiser, hein. Après, je dis économiser, hein. On est d'accord que j'économise un seul? Ah non, j'économise deux. Que ça vaut le coup. Ici, qu'est-ce qu'on a? Parce que j'ai planté des arbres. J'avais jamais planté d'arbres. Enfin, très peu. Eh ben écoute, on prend. Plante des arbres ici. Ouais, après j'ai fait ça là en me disant ici, ouais, peut-être que je foutrais quelque chose. Du coup, ça me laisse. Ouais, ça me laisse un grand espace pour elle. Après, là, j'aurai ma zone multisport ici. Non, c'est bien en vrai. C'est bien, sa petite zone, elle sera pas mal. Et ici, c'est la fête, il y a des millions d'arbres. Je pense que là, avec coryphènes que j'ai, je vais aller les vendre. Ah, faudrait que je pose des coryphènes. Attends, je vais les récupérer ceux-là et je vais les mettre dans le quartier asiatique. Parce que le quartier asiatique, ils aiment bien ce qui est rose. Ils aiment bien tout ce qui est kawaii, Disney. Et en vrai, dans le quartier asiatique, faudrait que je mette des tableaux aussi. Je sais pas ce que je pourrais foutre. Des tableaux asiatiques, qu'est-ce que je pourrais foutre? J'en sais rien. Bon, finalement, heureusement que j'ai mis que deux habitations là-bas. J'aurais pas eu la place de faire plus. Ta ta la ta ta. Ah, c'est cool. Hein. Ça va bien vivre. Ouais, tu te dis. Putain, ici, le cèdre, en vrai, il serait bien passé. Alors, ici, voilà, hop, planté. On se dit, je fous une petite mauvaise herbe par-ci, par-là. Et après, vas-y, ici. Il reste de mauvaises herbes? Yes. Eh ben écoute. Nickel. Et une petite last. Et il me reste une violette, du coup. On sait rien. Allez. C'est moche. C'est moche, j'irai la vendre. Ouais, à la limite, je la fous là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, non, j'ai rien à garder en particulier. Non, bah en vrai, je suis content. Vraiment de belles avancées aujourd'hui. Oh, attends, il est où le ballon? Ouais, je vais attendre un petit peu qu'il se déplace parce que sinon je vais pas pouvoir le récupérer. Crois que c'est bon là. Yes. Alors, qu'ai-je de beau? Un lit basique. Pas beau votre lit, hein. Eh ben écoute. Ça je me le garde pour le prochain stream, j'irai le poser chez nous, Tom Nook. Ça je vais les entreposer, ça je vais aller les vendre. Clôture aussi, je vais aller les entreposer. Je vais aller vendre tout mon caca, on va aller voir Thibon, on va aller voir Monica. Et je vais m'arrêter là. N'empêche, mon time travel, je l'ai fait il y a 3 quarts d'heure déjà. J'ai rien branlé. J'ai juste fait les trucs que j'avais dit, mais ça m'a pris 20 ans à faire. Non, par contre, je suis vraiment content de ce premier degré là de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai vraiment avancé, mais vraiment vite. Enfin, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Finalement, je regrette vraiment pas d'avoir streamé aujourd'hui. Pareil, ça m'a redonné goût à Animal Crossing finalement, donc c'est pas plus mal.
On va voir Thibaut, je vais vendre ma merde, on va voir Monica, et c'est ciao pour ce soir. Évidemment, j'en profite, hein. Je profite de faire des grosses sessions de stream, vu que je peux pas forcément en faire beaucoup. Donc là, on est un samedi soir, avec le samedi soir, avec le vendredi, c'est les seuls jours où je peux faire des grosses sessions de stream. Alors, faire une donation... Et là, il me dit que c'est une fausse. Et là, j'ai une somme. Oui, je t'ai dit non. En plus, là, le fait d'avoir posé mes fleurs, ça me permet de me débarrasser un petit peu d'espace. Parce que mes fleurs prennent de l'espace. Ça me fait chier. Après, je pense que je vais garder juste un espace avec des fleurs noires. Vu que c'est le seul moyen d'avoir les fleurs noires... pardon. Les fleurs noires qui sont le seul moyen d'avoir des fleurs dorées. Voilà. Attends, le truc en haut à gauche, ça peut être bien pour Shepek. Bon. Vas-y, pour Peck, je verrai. Hein. Je tryharderai... Ouais, vas-y, je vais me l'acheter. 720. Ouais, vas-y. Prends ma merde. Notre bac à litière. Bon, normalement, c'est pour les chats, mais ça sera pour Peck aussi. Mais il ne va jamais s'arrêter. Avant d'aller chez Monica. Avant d'aller chez Monica, je vais... Ah, je peux pas sauter ici? Ah si. Je me disais quand même, mais je l'ai pas foutu pour rien ce truc là quand même. Je vais juste retourner chez moi. Ah, je regrette tellement pas d'avoir fait ces petits sauts là. Pour se déplacer, c'est tellement agréable. Je vais regarder tout ce qui peut faire penser à de la merde pour Peck. C'est quoi ça? Ah. Pff. Hop. Alors, qu'est-ce qui peut être bien pour Peck? Un truc de bricolage. Putain, j'ai plein de trucs de musique. Ah, les poubelles, bien sûr. Évidemment. Un truc attention. Des petits cônes. Une piscine de jardin. Des boîtes en carton. Une pompe à eau en mode c'est la dèche. Et sur le carton, qu'est-ce qu'on pourrait foutre sur le carton? Une gamelle encore. Ah, la gamelle, vas-y, je vais la mettre à... Je vais la mettre chez Blanche. Sur la table de chez Blanche. La table devant. Alors, chez Peck, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Je pense qu'il n'y aura rien d'autre. Je pense qu'on n'aura rien d'autre. Ah, peut-être dans les... Dans les trucs, là. Un pantalon déchiré. Après, je crois que je pense que j'ai rien d'autre. Ouais, je pourrais foutre des barrières autour de chez lui, mais actuellement, j'en ai pas. Oh, bah alors là. Les gars. Mais là, vous me faites des cadeaux. Vous me faites des cadeaux. Et évidemment, des mauvaises herbes. Je sais pas si on peut drop les mauvaises herbes. Eh ben, écoute, c'est parfait. Et après, on va aller chez Monica.
Et là, du coup, je dépose toute la merde pour lui. Si je le place. Ah ouais, non. Non, ça c'est de trop. Gamelle, c'est pas pour ici. Une pompe à eau. Une boîte en carton. Une autre boîte en carton. Ah, je peux les empiler? Un cône. Une boîte vide. Deux boîtes vides. Des mauvaises herbes, évidemment. Bon, par contre, faudra juste que je fasse un truc pour pas qu'elles se propagent, les mauvaises herbes. Genre, faut pas qu'elles sortent de cet endroit. En mode de, je mets une barrière. En mode vraiment il est exclu de son de là. Ah putain, j'ai plus de barrière. Ah oui, la piscine, j'ai oublié. Oh mais vraiment mes pecs, il me le faut absolument. Panneau d'avertissement, j'ai oublié. Ah non, mais pec, il me le faut. Au prochain stream, je ferai tout pour en avoir. Mais pour ça, il faudrait que je me connecte tous les jours pour essayer de l'avoir. La gamelle, c'est pas ici. Mais quel génie. Le génie du mal. Ouais, ou sinon, pas pec, mais juste un villageois que j'aime pas. La gamelle, je la pose là, du coup. Ah, ça serait cool si je pouvais la tourner. Je sais pas si ça va marcher. Ah si, c'est bon. Hop. Voilà. Le fossile, on s'en branle. Ça, je vais le... Ouais, ça, tout ça, je vais les changer. Je vais juste voir si je peux crafter des bons murets. Alors, est-ce que j'ai des bons murets sur moi? Aucune idée où ils se trouvent les murets. Je pense que c'est dans autre. un truc bien comme ça, là. Sinon, je peux crafter quoi? Oh, le barbelé! Instant, ça me coûte quoi? Bois dur et pépite. Instant. Le barbelé, mais. Alors, bois dur. Ah, mais tout de suite. Tout de suite. On va fabriquer un. Oh, quoique j'en ai combien là? J'en ai 10. Ouais, ça devrait suffire. Hein. Allez. Au cas où, comme ça, je serai sûr d'en avoir assez. Et au pire, j'en aurai assez pour... Si je veux faire autre chose. Du coup, ça, on entrepose. Ça, j'en ai plus besoin. Oh le pauvre. Du coup c'est cool, là j'ai déjà déposé tout ce qui était multisport, tout ce qui était pour PEC. Il y a juste Jennifer où j'ai pas cherché, mais de toute façon je me le suis noté. Extérieur de Jennifer, ouais. Voilà, je le ferai une prochaine fois. C'est pas grave. Bah du coup en vrai faudrait que je pète ce péché.
Ou sinon, juste, voilà, c'est pour empêcher Peck d'atteindre le bonheur. Il est bloqué, il ne peut pas aller plus loin. Ouais, voilà, ici. C'est horrible, hein, de faire ça. Voilà, donc il y aura toute cette merde-là pour lui. Ouais, et après on peut se dire à des endroits un peu random, je pose des barrières. Vraiment en mode, mais ne venez pas là, quoi. Ouais, je pense que je me comprendrai. J'espère. Bon, allez, tant qu'on y est, on va regarder ce qu'on a pour Jennifer. Hein. Je suis pas à ça près. Hein. Moi, j'ai dit, je m'en fous un peu. Hein. Moi, là, c'est... Moi, j'ai des idées, là, qui fusent de partout. Donc, je vais regarder tout ce qui peut faire cheval pour chez Jennifer. Après, le quartier des oiseaux, je t'avoue que je... Ah, putain, c'est vrai qu'il faut retirer le mode construction. Hein, sinon, hein, tu peux pas te débarrasser des clôtures. Hein. C'est con, ça. Non, bah, très bon stream Animal Crossing. J'ai beaucoup plus avancé que le dernier stream, étonnamment. On se le fera, hein, ce stream coryphène, où je stream jusqu'à avoir ce putain de coryphène. Ah, vraiment, saleté, hein. Saleté de coryphène. Qu'est-ce qui me gonfle, ce poisson. Bon alors, qu'est-ce qui est bien pour chez Zell. Alors, tout ce qui ferait cheval ou qui serait bien pour chez elle. Là, comme ça, je me dis qu'un petit transat de piscine pour la zone sport, ça peut être bien. Y a rien du tout. J'ai littéralement rien. Merde. Eh bien écoute, j'ai posé le transat pour la piscine. À côté de la zone de sport. Et on va aller voir Monica pour clôturer ce stream. Enfin. Et j'en aurais fait des choses. Hein. J'en aurais fait des belles choses. Je vais peut-être le mettre un peu plus en évidence quand même. Alors on a quoi dans cette zone sportive? Ah, y a de quoi quand même, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est cool. Donc je crois que j'ai déjà fait mes achats à la mairie, il me semble. Bah Monica, j'ai même pas fait exprès. Que ce soit son anniv aujourd'hui, le 31 août. Donc c'est pas un lion, c'est pas une lionne. Eh ben écoute, clôturons ce stream en souhaitant un bon anniversaire à ma waifu. Kiko Lival, merci d'être venu à ma fête d'anniversaire. Laisse tes ennuis dehors et viens bouger ton corps. Ah Monica, oh, j'ai pas de cadeau. Eh bien je vais te donner de l'argent. Tiens, je vais te donner 11 000 clochettes. Et moi je vais empocher 99 000 du coup. Bonjour Monica. J'adore faire des super fiestas avec plein de monde qui vient et tout. Surtout que cette fois c'est mon anniversaire. J'étais tellement impatiente que j'ai presque pas dormi la nuit dernière, c'est fou non? J'étais aussi trop curieuse de savoir quel cadeau tu m'apporterais, toi qui me connais si bien. Joyeux anniversaire. Tiens, l'argent. Et clochette, alors là Lival, je suis désolé mais je peux pas accepter. Non pas que mon compte en banque serait contre, au contraire, c'est pas donné la vie de célébrité. Mais je peux pas, c'est l'intention qui compte, laisse-moi te dire que cela n'a pas de prix. Tu veux pas de mon argent? Tu veux pas mon argent, Monica? J'ai travaillé pour cet argent. J'ai pêché un requin. Un papa, le requin! Bon, bah, tant pis. Eh bien, écoute. Bonne fin de journée. Déjà l'heure de rentrer. J'espère que tu repasseras me voir. Un de ces jours. Quand? Quand? C'est la vraie question.
Elle veut pas de mon argent. Eh ben tant pis. On fait une pause. Yes. Sauvegarde effectuée. Eh ben nickel. Hop. 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 Alors. Pour les streams. Alors j'ai aucune idée c'est de la combientième VOD d'Animal Crossing. Hop. Ah, je viens de me mute Discord. Ah, c'est vrai que Pécan, j'ai pas vu sa maison. Enfin, je l'ai jamais vu à côté de sa maison. Eh ben écoute. Hop. Spouette, pouette, 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 pouette. Date et heure. Et bah du coup, je remets la date normale. Voilà. Eh ben écoutez. J'ai reçu un message sur Discord. Ah, j'avais oublié. Ah merde. Un groupe de projet. Oh, j'ai tellement la flemme de faire des groupes de projet, etc. Ah, misère. Hop. J'éteins ma Switch et tout. Tac. Alors, ça dit quoi sur le groupe? Coucou, du coup, est-ce qu'on se fait un point demain après-midi soir? Oui, j'ai oublié, pardon. Demain après-midi, ça doit le faire pour moi. Ça me va aussi. C'est pareil. Quand vous voulez. Elle qui répond entre 22 et 23 heures, moi qui réponds à 3 heures du matin. Bon. Eh bien écoutez, sur ce, j'espère que ce stream et cette session Animal Crossing qui fut bien riche vous aura plu. Écoutez, sur ce, demain après-midi, je ne pense pas stream. Sauf si je stream, bah, c'est évidemment comme d'habitude du Switch Sport. Mais bon, pour ça, il faut que je prenne le temps de le faire. On verra. Si je me chauffe à stream, bon, il ne faut s'attendre à rien. Mais bon, un jour, je ferai ma session Switch Sport pour faire du basket. Enfin bref, évidemment, si ce stream vous a plu, n'hésitez pas à revenir. Et si cette VOD vous a plu sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne VOD et évidemment à rejoindre la chaîne Twitch en description. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, c'est tout pour moi. Et on se dit bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming. Allez, bonne nuit.